On n'a pas commencé. On n'a pas commencé, c'est déjà dégueulasse, hein, c'est ouais. Pour ça. Le titre, j'ai changé le titre. Allez vous faire foutre. J'ai changé le titre il y a environ. J'ai changé le titre ou pas ? C'est où le fromage ? Le mec, déjà, tu sais, ça fait un an qu'il traque le live. C'est vrai. Et le fromage, il était dans les tortillas. Et malheureusement, c'était aux alentours du 15 juillet, donc t'as encore 10 jours d'avance. Mais j'avoue qu'il a fait des tortillas ce soir. Mucho bene. Alors attendez. C'était des tortillas ? Non, c'était. Putain, j'ai perdu le nom. Non, tu sais, c'est des crêpes, mais espagnol. Des crêpes, mais qui donnent la chia. C'était. Des faritas. Des faritas. Ouais, voilà. Oh, c'est le moment de balancer une grosse quenelle là. Mais le titre a été changé, je vous déteste. Je vous hais. Le titre a été changé. Ah, tu sais ce qu'on a oublié ? Qu'est-ce qu'on a oublié ? C'est de prendre les boissons dans le frigo. Ah, bah non, mais je peux y aller. Attends. Tu restes mon invité, calmons-nous. Ouais. Voilà. Alors attention, vous êtes prêts à une transition exceptionnelle ? J'ai besoin que tu. Et bien que tu fasses. Incroyable ! Putain, c'est ouf. Merci. La technologie. C'est incroyable. Par contre, je ne. Mais non, tu peux pas jouer au jeu, j'ai pas mis le jeu en plein écran, enculé. C'est comme ça que ça marche ici. T'es puni. Tu vois, je vais aller chercher ta boisson et toi, tu peux pas bouger. D'accord. Okay. Bon, bah, comme je suis là, vous avez droit à des questions IRL sur Bob Lennon. Allez-y, je répondrai si c'est pas trop. Non, je peux pas ça. Attends, tu voulais quoi du coup ? Il y a de l'ice tea, il y a du coca, il y a du jus de fruits. L'ice tea, il était au frais ? Ma Monster, mais j'ai déjà terminé, je crois. T'as déjà défoncé ton Monster ? Mais ouais, mais moi je bois, tu sais. Là, je suis un... Attends, les tortillas ? Et t'as vu, j'ai raison, c'est des tortillas. Oui, mais... C'est sur la boîte, c'est marqué tortillas. Voilà, donc ça, c'est le placement de produit voilà. le plus obscène de tous les temps. Non, si ça avait été un vrai placement de produit, il y aurait eu la trompette au fond. Hein c'est vrai. Avec le chapeau mexicain. Si l'ice tea au frais, je veux bien. Enfin, la version suisse, là, je sais pas trop ce que c'est. Version dégueulasse. Oh, je vais prendre un smoothie. Putain, il faut que j'éteigne les lumières parce que là. Comment je vis mon exploitation par Bob ? en vrai, je peux plus bouger parce qu'il m'a tellement donné à bouffer que je peux plus bouger donc je suis obligé de subir. Comment vit-il son exploitation par Bob ? Tu veux qu'on reparle des factures ? Quelle facture ? Le gars qui transpire à une vitesse. Le mec qui a pas pris sa carte du parti. Non, mais arrête, il y a mon comptable là. Ouais. Du coup, brave Jean, ce soir. Oui, pardon, la caméra est là. Bonjour. Brave Jean, ce soir. Et j'espère qu'on nous entend bien. J'espère qu'on entendra bien le jeu. J'ai aucune idée de si on entendra bien le jeu, faudra vraiment faire un test là-dessus parce qu'il n'y a pas. Tu sais, je pouvais pas avoir les deux en même temps en fait. Et le truc, c'est que ce soir, c'est Jay qui m'a fait découvrir ce jeu absolument exceptionnel qui s'appelle. Street of Rogue, voilà. Et honnêtement, ça me fait penser à un mélange entre. Comment ça s'appelle ? Prison. Attends, on va remettre les choses dans le contexte, d'accord, si ça te dérange pas. C'est. Viens, Géal, viens de taper 9 heures de bagnole et en plus tu dois trouver un jeu. Et si je ne suis pas d'accord, avec le jeu, si je n'aime pas le jeu, tu repars direct. Oui. J'ai réussi mon pari, je suis encore là. C'est vrai. Et il a même cuisiné. L'exploitation infâme. Putain. J'ai envie de dire, j'aurais dû prendre en vidéo voir le Lennon couper un poivron. Non, c'était une vidéo exceptionnelle. Enculé. C'est bien connu que je suis un ami horrible. Jusque-là, ça va. Attends, j'ai branché la deuxième manette. Ouais. Enfin, il la comprend comme la troisième manette pour des raisons qui me sont pas. Ouais, mais c'est un. C'est un micro. La deuxième manette, c'est le micro. Non, mais c'est un Asus, faut pas chercher. C'est ça. Alors. Câble dégueulasse. Excuse-moi. Du coup, j'ai plus de souris, donc on va jouer là-dessus. Alors, attention, brave Jean. On va parler doucement puis fort et on a besoin de vous pour nous dire si oui ou non vous entendez par-dessus la musique du jeu. C'est parti. Alors. Mais attends, mais moi j'ai un clou. J'ai... Ah non, je peux pas là. Non, mais on s'en fout, c'est pas important. Je sais qu'il faut bien jouer les minorités et tout, mais là non, je peux pas là. Alors, du coup, par rapport à la musique, par rapport au jeu, est-ce qu'on nous entend ? C'est Hawk. Dit. Vas-y, duel. Viens de frites. tiens, je vais foutre la merde. Putain. Ah, mais tu tapes plus fort que moi. Bien sûr que je tape plus fort. Ah, le fusil à pompe !
Tu veux la jouer mafia? Hein? Tu veux la jouer mafiosi? Moi je me tire. Alors est-ce qu'on nous entend par rapport au son, par rapport à tout le reste, comment ça se passe? Comment ça se passe au niveau du son du jeu? Est-ce qu'il est pas trop fort? Parce que la musique est exceptionnelle. Attention au mouvement de la tête. Il m'assassine. Mais tout, il a un usine. J'ai plus que mon fist. Je me tire. C'est ça. Je ne mourrai jamais. Ah non, je peux même pas marcher. Ah regarde, je peux pas détruire les murs. Allez, je vais me prendre une mine. Voilà. C'est beau, c'est de l'axe. Tandis que moi, je vais accomplir un suicide héroïque. On peut remarquer un léger écart. Quel écart? Un écart de langage, je pense. Ah non, oui, bon. Très bien. Voilà. Excellent. Bon. Alors, basiquement, ce jeu, de quoi ça s'agit? Eh ben, c'est Jal qui nous l'a fait découvrir. Donc, c'est Jal qui me l'a fait découvrir. Donc, il va vous découvrir, brave Jean, allons-y. Je vais me découvrir? Non, non, non. D'accord. Ça marche. Street of Rogue. Attends, en général, c'est... Retourne sur le main menu, parce que... Bah, c'est un jeu en 2D où on peut jouer n'importe quel type de personnage. En fait, il y a différents personnages, on va les voir. Tiens, deux players quand même, parce que tu vas participer. C'est gentil. C'est parce que j'ai payé la boue. Et avec ces différents personnages, le but est d'accomplir tel ou tel élément de gameplay pour accéder au niveau suivant. Et à chaque niveau, en fait, il y a des difficultés en plus. Voilà. Là, c'est moi qui essaie de créer un sultan. Mais... Ça pue, c'est génial. Ouais. Basiquement. En fait, vous jouez des clodos dans une ville dans laquelle vous avez des objectifs à faire pour passer au niveau suivant. Le truc, c'est que c'est un petit peu comme une partie de loup-garou. C'est-à-dire que vous avez un rôle, et ce rôle vous donne plusieurs capacités ou pouvoirs ou stats par rapport aux autres éléments qui vous entourent. Exemple, vas-y, est-ce que tu veux qu'on fasse une... faisons une fausse run avec des persos qui servent à rien. Ouais, d'accord, bah tiens, on prendra c'est quoi ça? Le hacker? Non. Shapeshifter? En fait, moi, je suis plutôt mono. Ah tiens, je vais jouer un flic. Allez, c'est bon. Prends un flic. Je vais prendre un loup-garou. Voilà. Okay. Très bien. Donc, il y a des listes et des listes et des listes de textes. Tout ça pour dire que, en tant que flic, toi, si jamais tu butes des innocents, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des voleurs, qui ne sont pas des bandits, qui ne sont pas des mafiosos, tu vas perdre de l'XP. Mm-hmm. Donc, pour gagner plus d'XP, au contraire, il faut que tu butes des gens qui sont contre la loi. Et moi, je suis un loup-garou. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir de me transformer en loup-garou. Mais ça dure 15 secondes et après je suis stun. D'ailleurs, je sais pas comment je me transforme. Si c'est comme pour bouffer avec le vampire, c'est gauche. Ah, gâchette gauche, ok. Mmh. T'as fait voir, regarde. Loup-garou. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je défonce absolument tout ce qui existe. Du coup, je me sens obligé de te balancer une grenade. Bah, et ça n'a fait que me stunner. Hein. Ah ouais, ouais, c'est un truc. Ça n'a fait que me stunner. Hein. Moi, je suis un loup-garou, gars. Par contre, tu vois que ma transformation est presque terminée. Et après ça, je vais être stun. Voilà. À la fois fou et stun pendant 5 secondes. Et donc voilà. Et donc moi au contraire, si je bouffe des innocents, ça va me donner plus d'XP. Donc là on va mettre la map. La map nous indique, regardez, il y a deux objectifs en haut à gauche de la mission. Enfin là si je pointe le doigt, ouais. Ça doit être dans le bon sens à peu près. Il y a deux objectifs là environ. Le rouge c'est qu'il faut activer les trois interrupteurs dans le building du centre. Ouais. Et le bleu c'est que nous devons récupérer un papier depuis un clodo. On sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il fait. Et on a les... Ça a changé avec la nouvelle version du jeu, retourne-y. On a les... Comment on appelle ça? Les big quests. Des grosses quêtes optionnelles et donc qui sont là, non pas juste pour ce niveau, mais pour tout le monde, comme dans Super Mario en fait. Un monde, c'est par exemple le monde de glace, il y a 9 niveaux dedans. Bah là, ce niveau, il y en a 3. Enfin, ce monde, il y a 3 niveaux dans ce monde. Et la grosse quête, la grosse quête, du coup, se répète sur tous les niveaux du monde. C'est assez dur, hein. Tu es 5 personnes durant une seule transformation. Par contre, moi j'ai pas de quête, moi je suis flic. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est que je savais pas que la police municipale pouvait attaquer les gens à la grenade. Ah, mais c'est des grenades stun. Ah. C'est des flashbangs. Ah, en mais fait. C'est pour ça que je t'ai pas fait de mal. Exact, en fait. Exact. Bon, donc, du coup, la mission, allons-y, attends. Faisons la mission, essayons de jouer à peu près correctement, soyons honnêtes. Allons-y, donc au centre, il faut qu'on récupère un papier d'un gars. Ok. Allez, c'est parti. Donc, ça, c'est une prison. Alors, c'est une prison privée là, on voit que c'est pas des. Ouais, c'est d'ailleurs, est-ce que j'ai le droit de rentrer en tant que flic? J'ai testé. Non, do not enter, je pense pas. Oh la vache! Oh là là, je peux arrêter. Oh, tu coffres! Ah, t'as arrêté un innocent. Ouais, moins mais bats les couilles, là je libère tout le monde. Comment ça se passe? Oh, j'ai sauvé les prisonniers. Félicitations.
Attends, mais du coup, je peux pas le récupérer. Je peux. Bon, ok, soit. Moi, j'ai récupéré sa bouffe, si tu veux. Eh, c'est énorme. Alors, par contre, il y a trois personnes ici, donc. Ouais. Vas-y. Ouais, tu fais des gros dégâts. Si t'arrives à les cogner. Oh putain, je peux l'arrêter. Est-ce que je peux t'arrêter, toi? Non, je peux pas. Non, pas vrai. Ok, alors. On est où? On est là, et il faut qu'on redescende. Viens par là. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors, operate, là, il y a les boutons d'abord, et retrieve item, donc il faut qu'on récupère les items. Ah bah ça va être très simple, je vais l'arrêter. Tu peux faire ça? Attends, je vais tenter. C'est fantastique. Donc vous voyez, ce jeu, il est fantastique parce que c'est vraiment un Hotline Miami, mais avec du roleplay. Ah oui, il se passe ça aussi si on s'éloigne trop. Si on s'éloigne trop, il y a un slow mode qui s'active, il y a un ouais. À la Matrix. Pendant 2 secondes. Pendant 1 seconde et demie, voilà, pour nous laisser le temps de prendre nos marques et l'écran se sépare en deux. Et quand on se re-retrouve, l'écran refusionne avec pareil, vous voyez, le même slow-mo, histoire de comprendre ce qui se passe. Bonjour, vous avez une licence d'alcool? Non. Ok. Waouh, et t'as réussi à le coffrer, hein. Allez, là par contre, le game. Non, mais cassez-vous, quoi. Il y a un moment. Putain, ce truc pour les fantômes, ça marche pas des masses. Ah putain. Oh là 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 là, attends, j'arrive. Vous avez attaqué un officier de police. C'est moi, sur moi que tu tires. C'est bon, aïe, 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 j'ai pris trop. Je peux pas ouvrir les portes. Ouais, mais tu peux casser les portes. Putain, alors, je suis stunné. Ah, je me fais démonter. Attends, ça c'est un gangster. Au secours. Ah, je suis mort. Attends, bon, voilà. Attends, c'est un gangster, lui. Je vais tenter de le choper. Voilà, ses potes s'en rendent compte. Ouais, non, il y a un moment, ouais, voilà, il y a un moment, c'est... Voilà. Ok, donc c'était pour le test. Bonsoir, le chat. Ouais, bonsoir, le chat. Et c'était pour le test, mais maintenant, on va tryhard. Parce que moi, je suis pas du tout côté policier. Moi, je suis plutôt chaotique neutre. On peut tenter un tryhard avec une autre équipe qu'on a ouais, pris avant. C'est on vrai. On prendre l'équipe qu'on a pris avant, qui est safe, mais en dernier. Alors, l'équipe qu'on a pris avant, c'était vampire et soldat. Vampire et militaire, voilà. Vampire et ex-militaire, d'ailleurs. C'est pas... vampire et PTSD vietnamise. Ouais, c'est ça, vampire et le mec qui a eu les... Qui a eu Rambo, c'est des dégâts psychologiques énormes. C'est ça, c'est ça. Du coup, où est-ce qu'on repart pour une mission? Alors, on repart sur le main menu. Yes. Et cette fois, on va tenter. Limite, ouais, on tente un autre truc parce que là, on avait vraiment tryhardé. On avait tout rushé. Ce qu'on va faire. Ce curseur, excuse-moi. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un des trucs complémentaires. Ah, attention, petit smoothie. Oh là là. Attends. Complémentaire, une seconde. Merde, non, maintenant, je veux pas sélectionner ça. Changer ce qu'on a. Sélectionner au random. Voyons voir. Moi, c'est vrai que j'adore jouer. Nous avons le clodo, le soldat. Le gangster, le voleur, le vendeur, le barman, le hacker, le docteur, le banquier d'investissement, le changeling, enfin le métamorphe, le sportif, l'assassin, le vampire, le flic, le gorille, le scientifique, le loup-garou, cannibale, le zombie et les autres, on les a pas encore débloqués. Bon. Attends, je regarde le zombie, mais ça m'a l'air un peu extrême. Ok. BDBDBD, je suis en train de regarder. Hein. Army of Five, ouais, d'accord. Je peux pas parler, donc je peux pas échanger, avoir de la thune et tout. Ouais, le cannibale, il est trop horrible, je peux pas. Mais policier, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors. Je regarde les ninjas, invisibles. Policier, ça peut être sympa. Hein. Ah, sinon, il y a le tif. Ouais. Voleur, qu'est-ce qu'il fait, voleur? Des gants pour voler. Bah, franchement, je dis ça et je dis rien. Regarde le skin par défaut.
Mais non, mais j'avoue, c'est dégueulasse. Alors, moi, je peux vachement changer les coiffures. Ouais, c'est clair. Bah, il faut pas que tu sois identifiable. Bah, ninja. Alors, Conscious Tool from Thief. Mais je me disais, voilà, quel personnage ça vous plairait nous voir prendre pour tester? Écoute, hein, si tu leur fais un KS. Ouais, allez-y. Allez, le but, on va se challenger. Faut essayer de réussir les trois premiers niveaux avec ce qu'ils nous, donnent. Ouais, j'avoue. Hein, alors, ce serait fumé. Qu'est-ce qu'il y a? On va leur redonner la liste. Donc, le clodo, le soldat, le gang, le voleur, le shopkeeper, le magasinier, quoi. Le barman, le hacker, le docteur, le banquier d'investissement. Et attends, le policier, comment il fonctionne? Zolo, regarde. Attends. Zolo en non-humans. Je regarde. Barman Lennon est déjà en voleur. Écoute, bah ouais, allons-y. Barman et voleur, vas-y. Allez, pourquoi pas. Allez, vendu. Change les apparences juste pour la forme, mais... Ouais, je vais faire ça. C'est terrible. Voilà, mets une couleur reconnaissable, mets-toi en vert ou quelque chose. Allez, je suis un voleur grippé. Ouais, c'est bon. Allez, sweat. Voilà, la petite coiffure. On dirait un perso de Jojo, là, mon gars. Je dois avouer. Je sais pas trop si on est vraiment complémentaires. On est parfait. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, du coup, voyons voir les objets qu'on a déjà dès le début. L'inventaire. Alors, vous pouvez pas voir l'inventaire de Jal parce que la caméra est en bas à gauche. Mais je vous rassure, il aura pas grand-chose. Alors, un hypnotiseur. Attends, un hypnotiseur de rang 2, un haterator, des cigarettes, oh, un mixeur de drink, du whisky, des bières, ah, et je peux mélanger des mixtures ensemble, ok, très bien. D'accord. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai, quoi, pose ? Alors toi, tu as un truc pour passer à travers un mur, te téléporter à travers un mur, ouais. Une boîte pour te planquer, un truc pour ouvrir des coffres, une barre à mine, bien sûr, ouais. Pour ouvrir les portes, un crocheté. Et c'est quoi le truc à droite? Le problème, c'est que je le fous. Mais... Oui, pardon. Ouais. Les lockpicks. Okay. Ouais, non, mais c'est pas grave. Je suis baisé. Tu verras pas ton avant. Bon, allez. Alors, allons-y. Objectif. Alors, sauver un connard, donc ça, faudra le faire en dernier, et ouais. Activer les trois switches. Et on aurait un Uzi, ce serait quand même assez fou. Ouais, allons-y. C'est pas mal. Ouais. Oublions pas de fouiller les poubelles, hein. C'est comme ça qu'on se soigne. Je peux mettre des choses. Attends, je vois, je peux te voler. Ah putain. Ah, t'as raté? Comment tu fais pour voler quelqu'un? En fait, c'est j'ai essayé, mais il avait rien, c'était un clochard. En plus, tu peux te déplacer super vite, essaye de le voler. Bien joué! Oh là là! Et en plus, ça me rapporte de l'XP, quoi. En plus, ça te rapporte de l'XP, tout à fait. Alors que moi, il me faut des. Alors, si tu tombes sur des trucs qui ont des effets, des statuts d'effet, genre. Alors, tu sais, plus de vitesse, ouais. De la drogue ou quoi, ça. Donnez-moi pour que je les mixe en. Attends, je vais voir si je peux voler une poubelle. Pour que je les mixe en boisson. Non, les poubelles, tu te sers. Putain, ça demande du skill, par contre. Comment ça rate? Parce qu'il a rien? Parce qu'il l'a vu, je pense. On peut le tabasser, hein. Sonne fait biscuit. Tabasse-le. Ta vie. Vas-y, je te laisse gérer. Moi je le tabasse, tu veux, moi je suis videur. Oh la vache! Ouais, là je pense que c'est la mafia là. Je vais essayer de le voler. Oh putain. Attends, on n'est pas armé contre ça. Aïe, j'ai dit. Aïe aïe aïe. Alors, vous avez vu là l'effet smooth. Ah putain, il revient vers moi. Cette course. Attends, je le tiens. Ignore-le. Ah, tu crois que tu vas plus vite? Moi, je veux le voler, moi. Bon, il avait un pistolet avec zéro balle, mais c'est pas grave. Mais on a un flingue. C'est bien, on a beaucoup avancé sur notre mission. Écoute, ouais, on progresse. Alors, oui, il faut aller vers le rouge, là, c'est par là. Là, les boutons. Est-ce que je peux voler la vitre? Non, tu peux pas. Operate. On peut sans doute rentrer. Attention, fouiller la poubelle, toujours. Ah, une seringue, super. Si je peux mélanger les seringues et les clopes. Attends, bouge pas. Regarde, je mélange la seringue et les clopes. Putain, je suis trop nul. J'arrive.
T'as tellement de vie, pardon. Un cocktail. Quoi? Comment ça se fonctionne, ce cocktail? Tu vas vite voir. Ça prend 5 secondes pour faire effet. Génial. Et j'ai été ralenti. Bah oui, parce que j'ai fait un cocktail à partir de ça. Ah. Mais est-ce que je peux le donner aux gens, le cocktail? Ah merde, je l'ai bu. Je voulais pas faire ça. C'est un cocktail à la clope. Ouh, c'est bon ça. Regarde ça. Salut. Oh là là! Oh là là! Allez, laisse-moi gérer le dernier. Dans le milieu. On m'appelle personne. Du génie! Et du coup, il a gagné la récompense. Tiens, par contre, je pense qu'elle va être plus utile pour toi. Ah, elle est en bas, ouais. En dessous. Ah, je fais cachette droite. Une équipe et drop. Voilà, tiens. Ouais, j'ai le machine gun, gars. Ok, très bien. Par contre, j'ai perdu tellement de vie, j'avoue. Ouais, mais toi, on peut manger tous les deux. Alors, je te propose de tenter d'atteindre le niveau. Attends, 3. Pourquoi il y a des trucs à cocktail? Il y a des barres à cocktail. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il y a un truc, en fait, spécifique? Oh, regarde, 0 sur 5 drinks served. Ah, il faut que tu serves des... Je dois servir des boissons aux gens. Ouais. Ah, attends, je vais d'abord faire des cocktails à la clope. Tiens, servons au clodo. Servira au clodo là. Ouais. Monsieur, bonjour. Seriez-vous intéressé pour un petit cocktail? Non, pendant que tu lui parles, je le veux moi. Oh ouais. Et c'est bon, et c'est à la nicotine, donc ça lui fait un peu de dégâts, pas beaucoup. Sortez de là, merde. Vous n'êtes pas intéressé par un petit cocktail? Attends, ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce que je suis sympathique, je peux entrer dans les endroits qui sont interdits, moi. Mmh. Et les mecs me font pas chier. Donc si toi, tu vas dans un truc, il va te dire de sortir, mais moi, si je rentre, c'est pépouze. Attends, je vais offrir offrir une motivation. Je peux offrir de la motivation à quelqu'un. Très bien. Putain, c'est cool. Je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. On va lui offrir un verre. Et tiens, prends un whisky. Du coup, est-ce que ça accomplit ma quête ou pas du tout? Ouais, ouais, je pense. 3 sur 5. 3 sur 5, non, il faut que je fasse plus de cocktails. Il me faut plus de psychotropes, Jan. Ah, je vais le payer cher, c'est 30 points. Ouais. Attends. C'était un piège. Oh merde. Non, mais pas pour là. Ah. Il faut l'escorter. Tirons-nous, il va nous suivre. Level exit, c'est là-haut. Ah, mais j'ai pas servi mes cocktails. Non, mais c'est bon, on partira juste après. J'espère que c'est par là, je n'ai aucune idée. Oui. Hop. C'est bon. Bien. Ok, maintenant, serre tes cocktails. Il faut trouver des Attends, des moi j'ai pas d'objectif. T'as pas des choses que je puisse mixer? Non. Slum in progress. Floor 0... 0 sur 2 robbed. Attends, non, remets ton truc. Rob a certain number of chests and safe. Il faut que tu ouvres des coffres. Des coffres et des coffres forts. On voit pas les coffres. Ah ok, voilà, ça marche. Ça, oui, parce que t'as pas la vision encore. Ouais, montre-moi si t'as pas un truc d'inventaire que je peux mixer en cocktail dégueulasse. Alors. Le bandage, je peux peut-être. La bière. La bière, non, je crois que la bière, non. Bon, bah, je vais la boire alors. Non, le reste, j'ai rien. Ouais, non, le reste, ouais. Bon, si tu trouves des choses, n'hésite pas. Alors. C'est une pickpocket incroyable. La poubelle, il y aura sans doute une seringue de drogue dedans. Non, de l'argent. Putain. Pourquoi tu veux libérer le singe? Ouh, la clé du laboratoire, tu peux ouvrir la cage à Kiki. Attends, et du coup, je vais tenter un truc ultra sneaky pour tester. Oui, il a téléporte. Ouais, Non, c'est le 5 juste au-dessus. Oh, c'est la fusée. Oh, ça c'est ultra pété aussi. Oui, il y a un coupeur de vitre, ouais. Alors, c'est ça. Donc, c'est. Oh là là. Je suis pas il là. Il a libéré le chimpanzé. Allez, tue-le. Oh là 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 là. Ah, c'était propre. Oh, je vais le suivre. Gorille et scientifique ne s'entendent pas en fait, ils se frappent dès qu'ils se voient. Enfin, ce qui est bien pour le scientifique, c'est que le gorille est souvent sous-scellé, on va dire. Mais il a une impressionnante forme physique. Il y a un frigo, je vais le voler. Ah, il y a un hamburger, je peux peut-être le mixer. Non, putain, je peux pas.
pas mixé l'hamburger. Alors, là, il y a, regarde, il y a du cocktail. Ah, mais non, mais c'est, ça veut dire qu'il y a un barman. Ah ouais, attends, mais c'est pareil, là, je vais tenter un truc ici. On ne voit pas. Très bien. Oh, il l'a massacré. Très bien. Ok. Attends. Comment ça pille, hein, sérieux? Ah, là, il y a des coffres. Putain, je vais voir, j'ai un pote voleur, là. Oh là là. Ah, tu peux lui acheter des trucs. Ah ouais, je peux. Ah, tu peux, c'est le même matos que t'as pour ouvrir des coffres, ouvrir des portes. Alors, bah tiens, je vais en reprendre un. Je sais combien. Voilà, on va prendre ça. Windows Scooter, ça a l'air tellement exceptionnel. T'as pas besoin de plus. Hein. T'as pas besoin de plus pour l'instant. Et puis surtout que tu peux en racheter à tous les autres voleurs. Donc, ouais, mais alors, bon. Normalement, les voleurs, ils t'attaquent, si tu veux. Mm. Je vois en hit and run, c'est free. Ouais, non, mais j'avoue, c'est fumé. Du coup, attends. Merde, pour ouvrir la porte. Faut absolument piller le coffre chez la vieille. J'y vais. Je vais utiliser cette technique, tu vois. Ok. Bien, bah vas-y, rentre et prends le coffre. Allez. Allez, level up. Et voilà. Et elle a rien vu, hein. Elle a même pas vu. Elle a rien vu. Elle a rien vu. Il te faut un deuxième coffre, il y en a au-dessus. Ouais, on va voir. Il y en a au-dessus. Ça. Toi, c'est bon les cocktails? Non, il me faudrait des trucs comme des clopes, de la drogue, n'importe quoi qui fait un effet secondaire. Ouais. C'est là le second. Ouais, je vois ça, si mais j'ai. Pour la vitre, c'est gratuit. Je suis un peu la. Ouais, si ça va être compliqué. Sûr. Allez, facilité. Efficacité. Et voilà, t'as fait ta. C'est bon, la big quest, elle est à Shujan niveau 2. Du coup, tu vas passer level 3 gratos, je pense. Ça va donner tellement d'XP. Attends, lui, il me voit si. Attends. Si lui, je veux le voler. On va pousser le vis. Ah merde. Ah, il t'en veut si tu veux. Ouais, non, ça fait un minimum de bruit quand même. Quoique ce barman, il y a peut-être des choses. Ouais, mais j'ai pas le cogné. Bon, si, si. Agresse-le. Oups. Merci. Ah, toi, tu peux tuer les innocents quand même. En tant que barman. Ah bah écoute. Ça te fait plus d'XP. Attends, je vais essayer de voler le gorille. Peut-être une mauvaise idée. Je pense pas que le gorille ait grand chose. Oh, il t'en veut. Putain. Ah, j'ai loupé la porte. Non, laisse-moi tranquille. Ah. Non, mauvaise idée. T'as rêvé, regarde. Moi le gorille, je le domine. Putain. Je l'ai dominé. Regarde ça, il s'enfuit. Regarde ça. Il retourne dans sa jungle. Dominé. J'avoue. Je casse du décor. Alors, on a dit les cocktails, ou sinon on a tout fini. Il y a une maison tout en haut à droite là. Ah oui. On va checker. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Non, la maison tout en haut à droite c'était un massacre. C'était les gorilles. Ah non, mais j'avoue. Hein. Non, mais il n'y a plus rien alors. Allez, tiens. Attends, il y a des frigos là. Je peux ouvrir les frigos. Où sont les frigos? Ici, là, dans cette maison où il y a plein de gens, mais où on les a tous butés. Je vais péter les portes. Putain, je vole un mec. Oh, la banane. Est-ce que je peux faire un check à la banane? Je peux pas, putain. Ah, j'avoue, ça va être compliqué de faire des 1000 checks correctement. Putain, mais laisse-moi tranquille, oui. C'est même pas toi que j'ai volé en plus. C'est bon, il se tire. Ok, on se casse. Allez, on se tire. Niveau 1 réussi, wouh. Pour toi, moi c'est un échec global. Ouais, c'est vrai. J'ai malheureusement bu deux de mes cocktails. J'aurais pu, hein, j'aurais pu. C'est juste que voilà, j'avais pas le. Tant pis, c'est pas grave, on va tenter. On a gagné de l'XP parce que toi t'as tué personne, t'as utilisé que tes points. Alors, t'as plus de chances de critique. Ça, c'est tu découpes les vitres, crochettes les serrures vachement plus vite. Et toutes les soins sont identifiées. Clairement, les moi je l'ai déjà celui-là. Je vais continuer sur le skill du voleur. On va tenter de jouer le rôle à fond. Très bien, c'est honnête. C'est position. Ah non, mais on est posé. Là, c'est des pouces, les mecs. Ok, je passe devant parce que comme j'ai l'aura de gentillesse, moi, si même si j'entre dans un endroit qui est pas autorisé, les mecs me cassent pas les couilles. Putain, je suis... Ouais, j'ai commencé à voler tous les clochards de la ville. Moi, je peux donner de la bouffe aux gens, mais je sais pas pourquoi. Oh, il avait des cigarettes, le... Oh oui, à moi, je peux en faire un cocktail. Putain, le mec, il me dépouille. C'est le pain de la mafia, je dois lui donner tout mon loot. En bas à gauche.
Ah oui, c'est ça là. Ouais. Putain. Gâchette droite, gâchette droite. Voilà, c'est bon. Ok. Salut. C'est bon, tu peux bien repartir. Du coup, il faut que je serre 5 verres. Bonjour. Bonjour, docteur. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Pendant que tu lui parles. Je vais vous faire un cocktail. Ok, 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 j'aurais pas dû. Waouh! Tirons-nous, tirons-nous! Tirons-nous! Moi, je suis ennemi avec personne. Hein. Écoute, pendant que toi tu fais ça. Oh putain, elle me tabasse! Pourquoi elle me tabasse, le docteur? Parce que je lui ai filé un truc à la clope? Ouais, je pense qu'il a pas aimé. Ah non, mais laissez-moi tranquille, quoi. Putain, je peux rentrer nulle part, quoi. Est-ce que je peux voler un autre mec? Ah oui! Alors, trop intéressant, je prends. Moi, je fouille des poubelles. Hein. Je casse les lampes, je fouille les poubelles. Moi, je suis dans la laser mist, tu veux. Ok. Putain, c'est pas vrai. Ils veulent ma mort. Ils m'en veulent direct. Mais là, du coup, je me fais poursuivre par un mec de la mafia. Mais j'essaie de. Putain, j'essaie de l'amener devant les flics. Voilà. Et le flic réagit normalement. Pourquoi il m'agresse, moi? C'est bon, il se bat. Tirons-nous d'ici, en fait. En vrai, tirons-nous d'ici. Wouah! Putain, je vais essayer de voler le flingue du flic. Voilà. Tu es un voleur. Oh! Les trois flics ont été volés. Wouah, trop fort. J'avoue. Ah, il va falloir neutraliser du flic, alors. Attends, des clopes. Un caillou. Ah, donne-moi le caillou, je peux peut-être le fixer. À droite. Voilà, un peu là. Allez, la gâchette droite. Ouais. Allez, fais-moi rêver. Comment on neutralise? Oh, je peux pas mixer le caillou, je suis dégoûté. Quand on les neutralise, c'est facile, mon cher G. Oh putain, mais oui. C'est pas vrai. Facile, on entre. Bonjour, monsieur. Ah, je peux lui demander de partir. De quitter la ville, 50%. En tant que barman, tu sais, il va dans un poste de police, ouais, il vaut mieux que vous quittiez la ville. Écoute, j'essaye, hein. Non, il préfère rester. Ouais, c'est dommage. Ah, merci de m'avoir prévenu, je me barre. Il y en a un qui se tire déjà. Mmh. Je peux le menacer. Je vais offrir un verre, sauf que c'est un verre à la nicotine, si tu veux. Oh, il a pas l'air de m'en vouloir. Oh putain, il fallait une validation. Ce gameplay qui est juste fou. Où es-tu? Moi je suis vers l'item, sauf qu'il y a une caméra de sécurité si tu veux. Putain, mais c'est pas vrai. Non. Laissez-moi tranquille, sérieusement. Putain, il y a tellement de gens qui ont des flingues là. Ok, alors. Moi je suis dans une mouise, t'imagines même pas ce que je veux. Je sais pas m'en sortir. Toi t'es là, moi je suis là. Et on a fait aucune mission. En même temps, on a pas d'armes, on a pas les moyens de se défendre. Putain, y'a un mec avec un bâton de police qui m'agresse là. Alors. Chope-le. Putain, c'est toi que j'ai fait choper. Non, y'a un police. Bon, alors, focus un peu. Il m'a mis une mèche. Ah, et le flic m'achève. Ça, c'est dégueulasse. C'est pas grave. Allez, je te vends la moitié de mes points de vie. Non, ah bah t'as pas assez de points de vie, ouais, pour ça. Faut au moins avoir 20 PV. Bon, comment faire? Ouais, je vais tenter de mourir de façon héroïque. Ouais, vas-y. Alors, il est où le poste de police? Voleur, ça a potentiellement du potentiel, mais c'est pas un bon combo avec barman. Ouais, c'est clair. On a barman, c'est trop compliqué. Alors. Barman, c'est compliqué. Trouve du cyanure, ça fait de bons cocktails. Ouais, mais le problème, c'est que tu vois, y a pas de drogue, y'a rien, enfin, on en chie quoi. Alors. C'est vrai que la voix de Bob sera à gauche du haut-parleur et celle voilà, de. Voilà, c'est fait. Alors, la voix de Bob sera à gauche du haut-parleur et celle de Bob à droite. Donc, tu parles de stéréo, Oberon, mais il faut que tu mettes les noms corrects. J'ai changé, c'est bon, ça devrait être bon. On a tourné. On a trouvé une solution d'ingénieur. C'est ça. Le Blue Yeti. Le vrai développement. Bon, c'était foireux, il faut un autre perso. Allez, on se tire. Mets une menu. Mais le voleur est assez jouissif. Après, le problème, c'est que pour les munitions d'élimination, bah, on a que dalle, quoi.
je pense qu'il vaut mieux prendre des guerriers parce que dans le pire des cas, il faut y aller comme des bourrins, il n'y a pas de solution propre. Eh, j'avoue, voleur assassin c'est propre. Vas-y, appuie sur ça. Bah, on entend moins bien. Ah, bah voilà! Voilà! Allô. Voilà, le micro avait décidé de mourir. Normalement, ça se passe. Là, ça se passe. Là, il se passe des choses incroyables. Fantastique. Voilà. Donc, plus jamais je vous entends le chat. Le mec, déjà, il sait pas faire la différence entre Bob et Bob. C'est inacceptable. Alors, il vient pas me parler de stéro. Et si ça le dérange, la stéro, eh ben, il prend son casque. Il change le casque de côté. Et c'est incroyable. Voilà. Et c'est incroyable. C'est la même chose. C'est la même méthode pour aller se faire enculer, en fait. Il se retourne. C'est le même principe. Énorme. Ah. Voilà, c'est cool. Alors. Donc. Oh mon dieu. Alors, du coup. Qu'est-ce qu'on prend? Attends, attends. Ah, ça, c'est tous les gens qu'on peut pas prendre. Ouais, je vais tenter zombie, hein. Écoute, hein, fais encore une classe à la con. Quelqu'un disait le docteur ou peut-être le scientifique. Moi, je vais tenter le shapeshifter. Ok, tech expert. Ah, le changeur de, le changeur d'apparence. Ouais, mais non, bof. Ouais, non, je sais pas. Bartender, peut-être. Non, non. Essaye le jock, peut-être. Jock, tu gagnes 2 XP pour chaque objet et mur que tu détruis. Donc ça peut partir en sucette très vite. Alors je peux pas... Item and Shock Cosmore, Mop... Bon, allez, on va tenter ça. Allez. Je regarde. Écoute, je vais prendre, voilà, je vais prendre le... Attends, quoi que... Le cannibale, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est ça, la viande humaine... Mange des cadavres pour gagner de la vie, c'est pas mal. Mmh. C'est pas mal, c'est pas mal, ça peut le faire. Mais voilà, mais le zombie, j'avoue, le zombie, il est présent aussi. Merde, je voulais pas. On peut avoir un chauve. Voilà. Ouais, clair, parfait. Ok. Donc toi, t'as pris le bourrin. Le sportif, celui qui bully les nerds, si tu veux. J'ai hâte de tester cette charge. Alors. Alors, j'ai pas d'inventaire, toi t'as quoi? T'as une pilule. C'est quoi ça? Faut laisser appuyer. Voilà, c'est ça, c'est la charge. On peut peut-être faire ça dans les portes. Hein. Attends, 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 est-ce que je peux knocker? Ah, j'avoue, c'est fumé. Attends, je l'ai touché, du coup, ils sont infectés ou pas? Il faut que je les bute. Ouais, il faut que tu les butes maintenant. Ah non. Ah. Ah, ah, il t'attaque toi. Ah, il t'attaque toi ça aussi. Ça peut pas fonctionner. Ouais, ça peut être un problème, ouais. En fait, faut qu'on joue deux zombies. J'avoue, deux zombies, ce serait présent.
Non mais c'est trop drôle en vrai, regarde. Le mec il dort au calme. Non mais par contre t'es pas de zombie, mais qu'est-ce que c'est cool. Moi, je me demande si ninja et assassin, enfin assassin et zombie, ce serait pas une super combi. Regarde comment entrer discrètement dans un concept, dans un complexe privé. Et tu gagnes de XP pour chaque mur détruit, hein, donc éclate-toi. Hein. Ça a pas trop m'aimer quoi. Ouais j'avoue. Ok ouais bon c'est très drôle mais c'est pas avec ça que tu peux tryhard quoi. Non mais double zombie par contre il y a quelque chose hein. Ouais bah on tue tout ce qui existe mais ouais on peut tester double zombie. Allez ouais, on va tester double zombie pour le... Attends, end run. Ouais. Attends, caractère select, voilà allons-y, vas-y. Double zombie. Attends, change de couleur de cheveux ou quelque chose. Ah ouais parce que non je vais pas ressembler à ça quand même. Moi je prends du rouge, toi prends une autre couleur, puis genre du bleu ou un truc comme ça qu'on différencie fastoche. Excusez-nous, hein. Il faut savoir que voilà, quand on joue avec Jehal, on commente moins, mais c'est beaucoup de non-messages, beaucoup de messages non parlés. Voilà, hein. Nous pendant ce temps-là, on fait des mouvements incroyables, latéral d'une souplesse immense, si tu veux. Color. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, rose, écoute. Hein. Allez. Je suis bien là. Je suis prêt, je suis chaud. On est bien. Du coup, il faut qu'on bute un gars. Et une fois que ce gars est buté, ça commence à foutre la merde. Mais il faut qu'on calcule où est-ce qu'on va y attendre. Surtout, et du coup, attends. Faut pas que les autres nous voient. S'ils nous voient, ils vont nous attaquer à vue. Mais là, tu vois, par exemple, là, c'est intérieur. Je vais y aller. Je vais bourrer. Et dès qu'ils sortent. Putain, chou. C'est bon, je l'ai eu. Ça y est, ça commence. Oh non, il fuit ce bâtard. Il fait plus vite que moi. Je l'ai loupé. Ah, je suis pas bon là. C'est pas grave. Allez, vite. Ok. Bon, c'est une invasion de zombies plutôt non réussie. Ouais, mais attends, là. Putain, mais c'est pas grave. C'est bien, tu l'as eu. Voilà. C'est bien ça. C'est bien. Ça se répand, c'est bien. Maintenant il suffit d'attirer ces enculés à l'extérieur là. C'est pas bien, c'est notre pote. Attention, les armes à feu. Et on régène en frappant, c'est ça qui est bon. C'est vrai? Ça c'est ouf. Allez hop. Où suis-je? Ok, je suis là. C'est nickel, laisse leur faire le taf. Ouais, je... Ah putain, on peut taper avec des battes et tout, on peut quand même s'armer. Hein. Ouais. Je crois pas que t'aies le droit d'utiliser les flingues cependant, les attaques à distance. Mais je crois que les attaques hors main, je pense pas que tu régènes. Oh là. Ouais, parce que moi j'ai déjà perdu ma vie en fait. Mais par contre, à main nue, ça marche. Attends, je vais voir, je vais taper ce gars par exemple. Si, je régène. Même à la batte, ça régène, gars. Ah, si seulement merde. Je pouvais aller plus vite. Bien joué, belle interception. Chope-le. Ah. Putain, cette invasion de zombies qu'on est en train de faire. Putain, il s'échappe. Ah, non, je les ai tous eus. Oh là. Petite interruption, t'as vu ça? Et regarde, l'autre il se défend au flingue, mais il est foutu. Ses potes vont. Il a bientôt plus de balles, ses potes vont l'achever, ça c'est nickel. Bon. Nickel. Attends, j'ai récupéré un flingue, j'ai le droit? Non, tu vois, je peux pas. Là, j'ai la rigueur mortis dans mes doigts. Regarde-moi cette armée. Voilà. Ouais, ça se fait. Hein. Quelle est la mission? Ah, il faut 20, zombifier 10 personnes. Toi, t'as zombifié combien? Je pense qu'on a réussi la mission. Vérifie. Ouais, on a la même, on la partage. Donc, ouais, c'est encore plus simple pour nous, si tu veux.
Comme on partage la big quest, c'est gratuit, merde. Quoi. Ok. Ok, donc ça c'est joué. Je suis où, moi? Oh putain, je suis là. Où sont mes potes? Putain, merde, il va me tuer ce con. Ah, je peux acheter depuis les zombies. Je peux acheter aux zombies? C'est vrai? Le zombie il me vend des clopes. En fait, ça reste les mêmes personnages qu'ils sont avant, si tu veux. D'accord. Oh là là, on est tellement en train de massacrer le game là. Attends, faut que je régène moi. Alors, il faut récupérer ça. J'ai récupéré un couteau. Des bandages et de l'argent. Oh là là, regarde-moi cette ligne de zombard. On est bien. Ah, c'est divin. J'avoue, zombie, c'est fun. Allez, viens. Viens par là, viens voir mes amis. Putain, il a disparu, ce con. Oh. Voilà. C'est bon, ils se font choper par les zombies à l'extérieur. Tout se passe bien. On est bien. Putain, j'ai des gardes zombies un petit peu partout. Ouais, mais j'avoue, hein, t'as la ville qui commence à se développer sévère. Alors. Putain, mais quelle était notre mission du coup? Je suis en train de m'en occuper. Faut récupérer là, voilà, un truc d'un coffre. Ah, mais est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un coffre? Bien joué. Hop. Ah, ça va. Nickel. La rigor mortis te permet quand même de d'ouvrir les coffres, sinon ce serait le merdier très vite. Hein. Okay, il est pas zombifié, lui? Allez. Bon. C'était le hacker. Tant pis. Il est spécial. Ah oui, c'est vrai qu'avec gâchette gauche, tu peux cracher du venin. Mais ça coûte de la vie. Ah oui, d'accord. Mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Et ben, exit level. Hein. De toute façon, ça sert à rien de péter les ouais. Trucs comme ça. Attends, je regarde juste. Ouais, il y a des coffres, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les steaks, ouais. Tiens, on s'en bat les couilles. Complète. Allez, j'ai bas whoop. T'as quoi? J'ai bas whoop. Bah, comme dans Megaman. Bas whoop, whoop, whoop. Ah, okay. La téléporte. Impeccable. Bon, voilà. Mes yeux ont du mal à suivre. Ouais, non, mais j'avoue. Hein, j'avoue que c'est très bordélique le combat au cac dans ce jeu, mais ça peut être très fun très vite. Hein. Oh, t'as une épée, putain. Moi, j'ai récupéré ce qu'il y avait par terre. T'as bien fait. Voilà. Si on a un skill pour la durabilité, alors, c'est fantastique. On a no gun used, ok. Oh. Plus délectabilité. Bah oui, forcément, les zombies votent pour nous. Oui. En fait, délectabilité, ça doit être les gens qui t'aiment. C'est peut-être ça, ouais. Bon, forcément, c'est tous nos alliés. Donc... Attends, on a tué 8 personnes, mais il y a eu 61 morts. C'est ça que j'aime. Ça, c'est bon, ça. Honnêtement, la seule difficulté, c'est de réussir à gérer ça bien. Qu'est-ce que t'as, toi, du coup? Alors. Pas de chance de critique. Plus de chance de critique. Ouais, bien sûr. Ah, tu peux pas frapper les gens avec qui tu es allié. Ils peuvent pas te taper aussi. Là, c'est ultra utile. Ouais, je suis d'accord. Et toutes les seringues sont identifiées. Ouais, on s'en bat les couilles. Honnêtement, ouais, t'as un truc de fou. Alors, moi, c'est plus facile de frapper les gens à travers les murs. Ouais. Tous les followers peuvent être soignés une fois par truc, mais on s'en fout. Ah, et les armes de mêlée contre de l'équipement peuvent détruire les murs. Et ça, c'est très bien. Le fait que je puisse détruire les murs, ça va nous offrir des raccourcis. Ça nous fait passer partout. Des raccourcis d'embuscade dégueulasses, les enfants. Sauf les murs blindés, évidemment, mais. Je veux dire, on a notre armée. On s'en accommodera. Alors, du coup, garde quelle. Passe-moi une arme si tu veux bien enfiler une. T'as des burgers. Tu peux manger, tu peux te soigner comme avant, hein. Tout va bien. Gâchette droite. Merci. Super. Voilà, je vais taper à la main, mais au cas où. Par exemple, tu vois là, regarde. Tu vois, ça, ce mur. Il est fantastique, ce mur. Ah merde, le mur est renforcé. Je suis dégoûté. Donc mon skill ne sert à rien. Super. Putain, il va se tirer, chope-le. Bien joué. J'ai une question. Est-ce qu'avec ton skill, ça veut dire qu'on peut se taper ou pas? Ah bah, on va voir tout de suite. Ouvre-moi la porte. Mais pète la porte. Ok, j'arrive. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Ah, on peut plus! Super avec ton skill, ouais, c'est nickel. Génial, donc on va pouvoir bourrer on ensemble. On peut bourrer même si on comprend pas où on sans est. Sans prendre peur, voilà. Un flic!
Bonjour, on a besoin de vous dans la sécurité de notre non, tant royaume. Tant pis, laisse-le s'enfuir, laisse-le s'enfuir. Ouais. L'infirmière, là, en dessous. Putain, y'en a bien un qui va crever. Voilà. Nickel. On l'a eu, bien joué. On l'a eu, on l'a eu. Oh putain. Attends, je sais plus où je suis du coup. Attends, attends, attends. Voilà, et de 3. C'est chaud, c'est chaud. Putain, faut pas que je meure non plus. Oh là là. Ouh, les gens ne m'aiment pas. Non, mais c'est pas vrai. Bon, il est probable que. Attends, il y a un truc qui s'appelait DNA quelque chose. J'ai besoin. Ah merde, il s'est fait bouffer lui. Attends, je vais te rendre ta vie, bouge pas. Ah non, il me suit. Pourquoi c'est mon... Ah, parce que je lui ai craché dessus. En lui crachant dessus, c'est devenu mon follower si je l'ai buté par la suite. Et donc, on peut upgrader les followers. Parce qu'il y a plein de spells pour upgrader les followers. Très bien. Je vais te ressusciter. Ça me coûte la midlife, mais c'est pas grave. Je prends une bière. Mais du coup, en fait, pense à leur cracher dessus d'abord. Si, regarde, lui, par exemple, ce clodo, la gâchette gauche. Regarde, je vise. Bon, je l'ai raté. Ça n'a pas fonctionné. Laisse-moi gérer. J'ai voilà. Tellement envie d'avoir DNA un... connexion, c'est ça. Connexion d'ADN. Et du coup, là il se relève. Et il me suit. Énorme. C'est ma pute. Alors attends, trouver un flic, du coup, très important. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Donc, est-ce que tu peux cracher sur les zombies déjà les zombies, à voir. Non, ça marche pas. Non, il faut créer la connexion ADN après. Enfin, avant. Faut que je retrouve. Du coup, je suis mort, mais toute cette partie-là de la ville, elle est nettoyée, si tu veux. Regarde là. Ouh. Ouais, super, allez, viens. T'es mon mien. Putain. Et on peut avoir combien de followers au max? 3? Non, mais t'es sérieux là? Ouais, ouais, je suis pas bon. Je ne suis pas bon. Je suis là. Oh, j'arrive. Il y a un Scientos qui s'y croit, si tu veux. Oui, il faut que je te rende de la vie, puis que j'aille taper, en fait. Histoire de régène. C'est ça. Putain, c'est... C'est ta saut. Putain, j'ai perdu tellement de vie. Attends une seconde, je peux donner de l'ordre. Je vais donner de l'ordre à mes larbins. Attends, une seconde, il y a un gorille là. Voilà, attaquez tous ce gorille. Ouais, ok. Tue le gorille, tue le gorille. Le gorille se barre avec un couteau. Ok, attends, deuxième ordre. Attaquez tous le générateur. On va tous mourir. On va perdre tous nos alliés. C'est bon. Ah, ça non, va. Tu vois, ils sont pas trop cons. Hein. Bien joué. Ah. C'est sympa en tant que zombie. Hein. Ah les zombies ça se fait. Hein. Par contre j'ai plus de vie. Hein. Moi aussi. Je peux boire des bières mais... Il faut oser taper dans la mêlée, de toute façon tu peux plus taper tes alliés. Donc il faut... Bon, ils ont tous été convertis. Nickel. À part elle là-bas, mais elle. Voilà, debout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, il faut aller le sauver. Dommage. Dommage, ouais. Dommage, on peut pas réussir cette quête. Ah, quoi que si, c'est possible. Attends, regarde. Stand garde. Reste là. Mais attends, c'est encore des gens en vie, ça. Sérieux, là? Il se barre. C'est la police. Oui, grave.
Ça se passe bien. Alors il faut savoir que moi je suis avec un cercle vert sous mon perso et Jal avec un cercle bleu. C'est ça. Donc voilà, je suis là, tu vois, je suis ici à faire de la merde. Et vas-y toi, bouge ton stick droit. Voilà. C'est difficile de nous repérer. Hé, hey, regarde, ma manette elle lag un peu. Je suis là quand même. Oui, non, mais oui, bien sûr, c'est parce qu'on est sur la télé si tu veux, mais t'apprends à jouer avec. J'ai fini ouais. Evenly Sword avec un décalage, décalage visuel, tu peux t'en sortir. Oh là là, ce crachat de distance fou! Non, mais non, mais non, quelque part non quoi. Oh là là, il s'est fait mais molester! Où est ton fantôme? Là, debout. Ah, je suis pas bon là. T'es boîte. Quel était l'objectif? Il faut qu'on sauve un mec. Attends, je peux péter le mur, je pense. Ah non, non, tout est renforcé, quoi que là. Non, je peux pas. Si, c'est bon, j'ai pété le mur. Attention. J'ai pris l'argent. Ouais, un dealer de drogue. Putain, mais c'est pas vrai. Il me permet même d'acheter une merde. N'avance pas. Allez, tu prends moins de dégâts par les balles. En tant que zombie. Oublie pas, hein, s'ils sont ouais. Dans un couloir, tu craches. Pour le donneur de mission. Boah. Oh. Oh. Ouais, pour moi c'est pas vraiment un échec de la mission. Je tiens à dire. Alors. Surtout que notre mission personnelle, 51 sur 18, c'est un voilà, succès. Voilà, c'est ça. Quelque part, il y a un moment, il faut choisir ses victoires. Quoi. C'est ça, c'est ça. Alors. Pourquoi j'ai mangé une banane? Tiens, il y a de vie. Salut. Arrête de t'enfuir. Baboupe. Allez. J'ai baboupé. Donc ça, honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué les qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué les zombies. Enfin, t'avances pas vite parce que t'es obligé ouais. De... Voilà. Mais honnêtement, ça va. Ça passe. Faut voir si on tient sur les niveaux où il y a beaucoup plus d'hommes armés, quoi. J'avoue. Alors... Oh la vache. Oh oui, speed plus. Ah, l'attaque à distance ne cause plus de perte de vie. Donc c'est pas mal du tout. Augmente l'endurance. Je sais pas ce que ça fait l'endurance. Les points de vie, je pense. Tout non, honnêtement, gorge de fer qui va me permettre de la jouer distance. Toi, speed plus, ça m'a l'air divin. Ouais, speed non, plus. Non, mais speed plus, je vais rester sûr. Parce que le speed, c'est ce qui manque en fait. Ouais, voilà, c'est ce qui permet de courser les pauvres tocards qui essaient de s'enfuir et toi, tu les manges derrière et moi, je peux leur vomir dessus. Ah, ils nous suivent! On commence déjà avec un. Ouais. Ah, le robot tueur nous poursuit, donc attention. Donc, l'objectif, c'est d'activer les trois boutons et de récupérer un truc d'un coffre. Voilà, en fait, à chaque dernier niveau de. Oh putain. À chaque dernier niveau. Putain, c'est qui fait. C'est lui, là. Non, ça t'enlève de la vie, toi, le fais pas. Ouais, mais je l'ai touché, là. En fait, à chaque dernier niveau 3 de zone. Il y a une menace majeure. Et là, c'est un robot tueur qu'on ne peut pas tuer et qui va nous traquer. Oh putain, je suis devenu un spitter, quoi. Putain, ah, je suis devenu un spitter de zombies, quoi. Du coup, il faut qu'on se déplace, sinon le robot va nous trouver. Je sais pas où t'es. C'est bon, il est mort. Attention, je nous amène de la concurrence. Alors, il est où le robot? Putain, il est là, il est oui, là. Il est là. Tirons-nous. Ouais, je me casse par là. Ouais, moi. Il s'en bat les couilles de nous. Oh là, je l'ai payé. No effect. Ouais, t'as raison, il est invincible. Putain, je me suis fait. T'es où? Ah, je l'ai payé. Une seringue, je l'utilise. De la force. Il y a beaucoup trop de monde là. Ah, je suis mort.
Tant pis, on s'est fait on a tenu jusqu'au niveau 3. C'était honnête. Allez, est-ce qu'on fait notre run fétiche? Ouais, on fait la run, objectif de cette run, terminer ce putain de jeu. Ouais, j'avoue, hein, ce serait ça se fait. Si on tombe pas sur le blob, honnêtement, le blob, je sais pas toi, mais le blob, en fait, pour moi, c'est abandonne mission, quoi. Je sais pas comment tu fais. En fait, on est obligé de vraiment rusher juste les objectifs et puis c'est tout. On n'est pas là pour gagner de l'argent ou faire quoi que ce soit, tu vois. Ouais, mais c'est suicidaire le blob, hein, j'annonce. Hein. Allez, c'est bon. Je prends le vampire. Ok, moi je prends le soldat. Alors... Putain, mais c'est un Rambo roux, quoi. Bah non, mais il est le mec, il a été doublement marqué à la naissance et à la guerre. Alors du coup, toi en tant que vampire, tu peux sucer le sang d'un ennemi si tu te mets dans son dos. Et c'est comme ça que tu régènes ta vie. Je ne peux pas manger. Tu es invisible aux caméras de sécurité. Ouais, c'est ça. Mais il faut absolument que tu butes un loup-garou par niveau. Quant à moi, je suis un soldat. D'accord. Quant à moi, je suis un soldat. Il restait un nœud sous fifre. Voilà, je suis un soldat, mais il faut que je commette un petit peu d'atrocité parce que j'ai du PTSD, si tu veux, parce que j'ai le syndrome de la guerre du Golfe. Et donc, il faut que je détruise des générateurs. Voilà, c'est mon dada. Je dois détruire des générateurs. Par contre, la technologie, c'est pour les autres. J'ai le pouvoir, en fait, de Modern Warfare, c'est-à-dire que ma vie régénère quand elle est en dessous de 20. Elle revient jusqu'à 20. Donc, c'est fumé. Parce qu'en fait, comme l'autre est un vampire, il peut me sucer le sang continuellement pour regagner des PV lui-même. Même si ça prend beaucoup de temps, au moins c'est safe. On pourra se faire cette technique absolument folle. Allons-y. Et si t'arrives à choper le plus. Ah, le plus, ce serait divin. Ah, le plus, ça remonte jusqu'à 40, c'est complètement fumé. Alors, du coup, je commence, j'ai déjà un machine gun des grenades si tu veux. Ouais, et puis on a stocké en plus un deuxième machine gun et d'autres grenades. Ah, bien sûr. Alors. Attends, quelle est la mission? Neutraliser 3 gars. Et neutraliser un taliban. Ok, nickel, parfait. Alors attends, moi je vais me faire frapper par un clodo. Voilà. Parce qu'en fait, je peux pas sucer le sang si j'ai. Écarte-toi, ouais. Attention, que tu te fasses pas frapper. Allez, mais dépêche-toi. Encore. Voilà. Ça a l'air bien. Oh putain. Il faut faire attention. Honnêtement, il faudrait que l'un de nous deux prenne le perk. Tu peux plus taper les alliés, ils peuvent plus te taper, tu vois. Bon, ouais, tant pis, je me venge sur ta famille. Pendant que lui, voilà, va sucer le sang d'autres victimes innocentes, moi je vais faire les poubelles. Parce que, en tant que vétéran de la guerre, il faut que je fasse les poubelles, c'est important. Ouh, je viens de voir un shapeshifter, un change-forme. C'est dangereux ça. Alors, ça y est, je te vois. Mais bois leur sang plutôt que de les agresser à la con. Ah, le loup-garou est dans le coin. C'est peut-être ce mec là? Non, c'est pas lui. Non. Là. Alors voilà la technique spéciale. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Putain, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Voilà, bien joué. C'est bon. Petite patate à la sortie. L'un de nous deux chope l'XP. Vas-y. Essaye d'appuyer un peu en avance. Non, tant pis. Voilà, c'est bon, tu l'as eu. Voilà, au calme. Voilà. On remonte. Voilà. C'était afin de. Tiens, il y a un frigo là pour toi. Oh, super. Une banane. Super. Prends ta banane Rambo. Et il me laisse tous les objets de soins vu qu'il ne peut pas s'en servir, il ne peut que boire le sang. Moi je m'en sers. Ça c'est un sel-o-matic ça? Non, c'est un goodie dispenser, on s'en fout. Il est venu te casser la gueule, c'est bien. Écoute, pendant qu'il te casse la gueule, moi je vais piller son frigo. Très bien. Bon, tant pis. Il ne reviendra pas. Ah, attends, un esclave. Elle chope l'autre. Trop tard. Putain, ils font trop mal. Bon, c'est là que l'usine est utile. Voilà. Ça, c'est l'esclave libéré. Ah, mais il doit être dans le coin, le... Ah, c'est peut-être le scientifique. Ah, quoi, non, attends, c'est cette dame-là. Je te dis 100%, c'est cette dame. Allez. Ouais, regarde. Faut absolument que t'arrives à lui sucer le sang. Ouais, bien joué. Bien joué. Comme ça, ça évite sa transformation en loup-garou. Et ouais, et Big boum, Quest. Et boum, la caisse. Parce que le loup-garou, il fait mal. Hein. Ouais, elle est compliquée, le loup-garou. Du coup, pour nous, ça marche. Ah, parfait. Le load automatique, non, on s'en fout, j'ai tout ce qu'il faut. Une seconde. L'épée en haut, l'usi à droite, et on est bien bon. Par contre, je peux peut-être donner une banane au singe. Alors, attends, il y a un scientifique, là, j'essaie de le tirer. En fait, je vais faire ça. Tu vas ouvrir la porte et tu vas pouvoir rentrer pendant que je... Vas-y. Vas-y, continue à tirer. Il est con, quoi. C'est bon. Allez, bien joué. Ah, c'est tellement bien, ça. Cette fameuse technique. Ça, c'est démoniaque. Hein. Allez, on va le laisser se balader, lui. Ouais, qui fout on est un mec sympa, quoi.
Du coup, moi il faut quand même que je détruise mes générateurs, hein. Je m'excuse, mais. Allez, allons-y. J'en ai pas vu. Hein. Il y a un endroit pour recharger tes armes. Là, il y a un générateur juste là. Ah bon? Ah putain, bien vu. Je vais mettre des patates. Allez. C'est bon. Super. Donc il y a un homme à neutraliser. Ah, il y a un deuxième générateur à côté de l'homme à neutraliser là. Parfait. Si c'est moi qui le pète, est-ce que ça te le compte? Ça compte, ouais. Ah ça bon compte. Bah c'est bon alors. Attention au piège, hein. Il y en a un là dans la pièce là à côté. Putain, sérieux là? Ce lag sur ce PC qui m'empêche de réaliser des actions. Non mais c'est pas grave. Super, t'as non, la clé. Mais le pro player accuse toujours le lag, c'est bien ça. Pas se mettre dans la caméra exprès l'enculé. Ah non là tu coupes, tu l'as tiré, t'as empêché toutes les chances que t'avais de lui sucer son sang, c'était pas intelligent. Laisse-moi. Voilà, c'est bon, merci. À moi, à moi. Ah oui. Ouais, t'as déjà un flingue, non? Bah j'ai l'Uzi, mais T'as pas le flingue? Non. T'as pas le flingue? Non, j'ai pas le flingue. Merci. En tant que militaire, mes armes sont efficaces, et surtout je sais m'en servir. Donc voilà, attends. Neutralisons ça. Place détonateur, je peux faire péter la porte? Ouais, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, y a qu'à ça que ça sert, donc... Voilà, plus qu'à attendre. D'ailleurs, ça va faire péter la porte. Et plus que la porte, je crois que c'est violent comme truc. Je pense qu'il est mort. Ouch, ouch, ouch. Je vais voir par la caméra. Ouais, ouais le. Ouais, ouais. Oh, reward, le cube of lamp. C'est un truc qu'on avait acheté plus tôt. Regarde, break lamps to find something nice. Il faut que je casse des lampes et pendant 10 lampes, bah, ça va me donner des trucs cool. D'accord, bon, bah, sympa. Super. Ouvre les portes, ouais. Parce qu'en plus, il y a un coffre là-bas. Pourquoi pas? Attends, mais. Voilà, merci. Allez. Fais gaffe, pas. Le rouge ça explose. Hein. Eh bon. Il y avait rien. Dommage. Tout va bien. Alors. 28 balles, c'est pris, on se casse. Oh putain, le coup. Oh le coup. Oh, on commence mal là. Ah ouais. Surtout que je peux pas vraiment te servir de délice. Bon, allez, je vais l'instant. Aller sucer du clodo. Ouais. Là c'est, la no... là, là c'est la mort, là c'est la fin, ouais c'est la fin. Et il me manque un générateur si tu veux. La musique qui est catchy as fuck. Va falloir rester pro là. On est bien. Là il y a des gens, ils sont blessés. Ils ont des couteaux, ils servent pas à grand chose. Je peux remettre une petite bastos. Voilà, elle a lâché le whisky. Très bien, lui il sait pas encore ce qui se passe. Tu peux le sucer. Regarde. Tu peux le sucer. Putain mais c'est pas vrai, je l'avais là. Non mais il est en combat si tu veux. Et je devrais pouvoir quand même. Bon, je récupère l'argent. Tac. Petit coup d'épée, c'est bon, ça l'a fait fuir. Je ferme la porte alors qu'elle mène à rien. C'est vide. Bien joué. Merci. Bien joué, bien joué. Tu regagnes tellement d'XP à sucer le sang des gens quoi. Je pense que c'est plus le fait de les tuer. Est-ce qu'on a des... Non, il manque toujours un générateur. Merde, 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 merde. Et puis surtout, il nous manque une quête aussi. Quoi. Laquelle? Bah regarde, Greg. Ah. Donc c'est ici. Non. Non, c'est le truc d'en dessous. En dessous. Alors, neutralise. Ok, soit. Neutralise et neutralise. Faut peut-être leur parler, hein. Je régène un peu quand même, je suis un peu bas. Je peux les menacer, il a un flingue lui par contre. Écoute, on va se la jouer John Wick. Quoique, non en fait, hein. Viens lui voir le sang, il y a personne. Regarde. Ouais, tout à fait, j'arrive. Regarde. Bonjour monsieur, vous avez déjà entendu parler du dernier Playboy? Oui, votre femme était dedans, vas-y. Oh là là, ça suce. Hein. Impeccable, il avait même un flingue en plus, ouais. C'est garanti. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, une try suite gauche. Délicieux. Recouche-toi. Non, ouais, alors, il veut pas se recoucher. C'est hein. Ça, ferme la porte. Voilà. Celui qui est au-dessus, là, il a un flingue. Donc, suce son sang, tu peux aussi. Impeccable, à moi. Impeccable. Ok. 12 balles. Et ah, mais lui... il en reste un. Non, mais lui, attends, laisse-le, il est pour moi, il est pour moi. Allez, ok. Mode John Wick, t'es prêt? Vas-y.
Énorme. Cette Allez. Précision. Et l'autre il s'est accouché, tu vois. Il a même pas. Il a vu Léon, le professionnel. Ouais. Il sait ce qui arrive aux familles qui posent des problèmes, si tu veux. Je n'ai rien vu, je dormais. C'est ça, je dormais. Je dormais. Ah, il y a encore un petit coffre, autant se gaver là. Donc, vu que je suis full life, on va chercher un peu la merde. Voilà. You are ravaging my body. Là, il y a une lampe. Enfin, je me sépare. Voilà. Je peux casser des lampes avec mon super pouvoir, ça devrait donner des bonus. Oui. Oula. Des balles qui passent. Ok. Très bien ça. Ok, parfait. Bien joué ça. Full elf, level up. Ah, t'es déjà level 2, putain. On est bien, on peut se tirer. Ah, là, le générateur. Il y a encore un générateur. Où ça? Ouais, il faut encore un générateur. Ouais, okay. Allons au sud. Mais parce qu'on cherche à gagner. Ah, bah là, juste là. Ah, bah super. On cherche à gagner plein d'XP dès le début. Ouais, voilà, c'est ça le but. Alors. C'est bon. Il a l'air d'être questionnatif, mais voilà. Big quest, ok. Super. Tirons-nous. Si là, tu peux acheter des munitions. J'en ai pas besoin, honnêtement, les munitions t'en trouves. Hein. Ok. Il y a le change forme, il paraît qu'il rapporte un max de thunes. Je peux pas le boire parce que t'as plus de merde. Putain. Il est où? Je me fais poursuivre par l'esclavagiste qui te suit aussi. Hein. Il arrive avec une hache. Hein. Ouais, moi je suis occupé avec le change forme, il est où, putain, enculé. Voilà. Bien joué. Ah, il y a des scientifiques derrière qui est là. Regarde lui, il est là. Ah merde. Il est là-bas. Ouais, je l'ai vu. Putain, si j'arrive à le bouffer. Il est où? Il est où? C'est bon. Combien de monnaie? 88. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Enculé, il était chargé. Hein. Il traque un pauvre clochard. Non mais laisse-le. Laisse-le gorille. Non mais tu vas pas être assez vite. Oui mais je vais me tirer, là on se tire. Hein. Ouais, on se casse. Il est stun, c'est le moment de se tirer. Il est stun, où suis-je? Ouais, on est au bon endroit, toi c'est voilà. Allez, on se tire. Non, toi tu me frapperas pas. Putain, le mec il en veut, tu sais, il sait que je me tiens. Moi j'ai Baoub, je me casse. C'est la victoire. Voilà. Alors. Bon, on a perdu en électabilité. Je pense qu'on en gagnera pas. On n'est pas ultra populaire. Ouais. Alors, qu'est-ce que toi t'as? Ah ouais, non, mais ouais, no in fighting. On s'en bat les couilles. Si, au contraire, c'est ouf. Ça nous permet de nous pas nous frapper entre nous. C'est incroyable. Déjà rien que ça, parce que les balles qu'on se met, quoi. Je regarde. Non, honnêtement, le no in fighting, intrusion artiste, t'as même pas servi la dernière fois. Quoi. On a largement assez de crochets, les portes, c'est pas un problème. Ouais, merci. Allez, ok. Moi de mon côté, les ennemis ont plus de chances de fuir pendant le combat. Alors surtout pas. Le recul des dégâts est réduit et tirer ne met plus de recul. Et le GPIS. Ah, le GPS. Le GPS, c'est comme le GPS, sauf ça nous indique tous les objectifs sur la map. Tout est révélé sur la map dès le début. Donc on sait où se trouve tout en fait. On sait où se trouve le loup et tout. On a pas buté ton garou. Ah putain. Ah, quel dommage. Bon, c'est pas grave, attends, regarde ta quête. Non, ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, trouve le loup-garou. Alors attends. Là, il y a un générateur. Ça, c'est un générateur. Ça, c'est un générateur. Mais je vois pas le loup-garou. Il va falloir qu'on le traque d'abord. Ouais, il va falloir qu'on le trouve. Non, mais laisse-le, on s'en bat les couilles. Ouais. Alors, on commence par le bleu. Sauver un bleu. Non, on va pas commencer par lui. Quoique, si on peut. Si, tant que c'est pas le bordel, autant le faire. T'as raison. Allez, c'est parti. C'est en haut à droite. En haut à gauche, tu veux dire? Pour sauver le bleu? Non, il est tout en haut à droite. Ah putain. Je regardais le fil bleu, moi, du coup. Ne pas oublier de faire les poubelles, c'est très important. Toujours les poubelles. Très, très important. J'ai essayé de le menacer. Oh! Oh putain, c'est lui à tous les coups. Je crois que c'est lui? Ou le gars qui... Non. Je suis dessus. Ouais, il est là, moi. Vas-y, je... Attends, non, alors, temps. Comment je vais gérer ça? Là, il y a des esclavagistes. Putain, je vois rien. Ouais.
Voilà, ça c'est fait. La méthode dure a toujours fonctionné. Alors attention, je vais tenter un truc absolument fou. Oh, oh, oh. Et tu vas knocker derrière. Oh merde. Viens, vas-y, knock maintenant. J'ai perdu un peu de points de vie par contre. Vas-y, viens par là, je pose une mine. Bon. Tout va bien. C'est massacre. C'est bon. Et bon, il est mort aussi. Voilà, on n'a pas de problème d'armes, pas de problème de munitions, pas de problème de balles, pas de problème de rien. Ça s'est bien passé. Alors lui, il offre une mission bonus. De quoi s'agit-il? Neutralise. Allez, on est bien dans tout ce qui est neutralisé. Après, t'auras plus qu'à boire son sang. Ouais, ouais, je le boirai après. Alors, on a fait quoi? Du coup, il faut qu'on libère le gars, là. Le gars jaune. Non, okay. Si, si, c'est ici. Entre là, voilà. Alors, attention au piège. Voilà, il y en a un, là. Moi... Plus, il y a un générateur. Ouais. Donc, attends, je vais faire péter le générateur en calant des balles dedans. Attends. Voilà, c'est... on recule. Attends, attends. J'ai peut-être la clé. Take me to the exit. Ouvre le coffre. Attention au piège. Je sais pas si je l'ai le Ah non, non, je l'ai pas. Bon, je l'ai. Vas-y, prends. De l'argent. Beaucoup trop d'argent, cet homme. Hein. Ah non, c'est ce con qui l'a... Ouais, c'est lui qui l'a activé comme un débilos. Allez, j'y vais, je l'amène là-bas. J'ai ouvert les portes. Oh, je mange quand même un petit enca sur la route. L'enca s'appelant Gérard. Peinard. Alors. Ah mais on est posé hein, brave Jean hein. Putain, je me fais agresser par un flic pendant que je regarde le chat. Never look at the chat. Voilà. Ah putain, j'ai détruit un distributeur et ça m'a donné des ressources. Bien. Alors attends, le vendeur est suspect. Il est suspicieux. Neutralize, ouais. Si tu trouves des générateurs, n'hésite pas à les détruire hein, même ouais, si c'est toi qui les détruis, ça compte. Hein. Là il y en a un par exemple. Je suis en train de manger un petit tonka à travers la fenêtre du mec que je fais neutraliser. Oui, c'est bientôt ton tour. J'avoue. L'angoisse. Ouais. Oh, putain. Le mec qui balance des mines comme si c'était des grenades. C'est risqué. Hein. Mais il est pas neutralisé? La mission n'est-elle pas réussie? Ah oui, oui, elle est réussie, mais il faut que j'aille. Voilà, je les ai arrosés. Ils ont cherché. Hein. Ça, c'est bon, on est bien. Il y a un mec qui me cherche là. Ouais, c'est ça, tire-toi. On est bien. Retrieve un item. Petit tanka sur la route. Attends, voilà. Si tu vois un autre générateur, tu le dis. Attends, il y a le loup-garou dans le coin là. Non, c'est celui qui est parti au nord. Tu penses? Ouais. Non, 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 regarde, il est toujours dans le coin. Descends. Alors c'est la dame là, ou alors c'est ce gars. C'est ouais, ce alors, gars attends, dans le attends, on va finir la mission déjà. C'est ce gars dans le bâtiment là, je suis sûr. Bien joué. Ok, on s'occupera d'eux après. Idéalement, faudrait que tu butes des gens. Ouais. Tu perds un peu de vie si tu veux. Ok. Ouais, j'ai gagné. Les machines à sous, Jal m'a vu gagner je sais pas combien de fois. Sans les trafiquer. C'est ça. C'est ça qui est fou. Absurde. Un peu de pognon. Tiens, mais vas-y. Mais... Voilà, c'est bon. Le flic m'a frappé encore une fois, s'il te plaît. Je vais encore péter une lampe. Chope-le, chope-le. Ce tir à distance absolument bien joué. Fou. Donc, le loup-garou, ça doit être lui. Partons du principe que c'est lui. Pourquoi tu l'as pas mangé? Parce que c'était pas lui. Ah si. Si, si, mais quoi? Si, si, il a juste pas eu le temps de se transformer, t'as eu de la veine, c'est tout. Tant mieux. Du coup, je... T'as eu de la veine du cul. Un petit tank à la framboise. Soit. Très bien. J'ai rechargé mon flingue. Je vais voir si on peut détruire le distributeur et si oui, qu'est-ce que ça fait? Qu'on peut plus acheter de munitions. Merde, j'ai acheté un truc cher en plus, je crois. Je sais pas ce que j'ai acheté.
Oh putain. Bon, c'est pas très grave. Putain, il y a un mec qui a osé tuer mon Anka devant moi. Tout à fait. Alors moi j'en suis à... Il me manque un générateur toujours. Ouais, mais on va trouver. Attends, mais on n'a pas la map ? Si, on a la map. Il est tout en haut le générateur. Et là, on a la quête Retrieve l'item qui est juste là. Ça marche. J'aimerais ainsi bien trouver l'esclavagiste là, qui était dans le coin. Alors, bon, on fait le coffre, je te propose. On y va en mode bourrinos, puisque le bourrinos, c'est sympa aussi. Ça marche, ouais. Attends, si, je peux tenter de mettre une seringue. T'as une seringue de quoi? Attends, t'as les clopes? Attends, laisse ça. Attends, c'est quoi? Dans l'ordre, seringue, tu ne sais pas, et les deux autres pilules? Ouais, je Attends, t'as pas du cyanure? Non. Cologne, non. Critter Upper, attends une seconde. Non, d'accord, non, on va aller la seringue. Ouais. On a plus qu'à espérer que... Fast. C'était pas du tout. C'est dommage. C'était du speed. Écoute, moi je propose un Scarface. C'est bon, tu l'as eu. Il m'a pété mon casque par contre. Tiens, pour je vais se prendre j'ai ça. J'ai tout pris. Moi le coffre. Il m'a fini de seringue. J'avoue que tester les seringues sur les autres dans les systèmes d'aération, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt mieux, ouais. Attends, il y en a un autre là du système d'aération, laisse-moi essayer. Vas-y. T'as une seringue aussi? Ouais, c'est. Je viens de la récupérer là, je sais pas ce qu'elle fait. On essaye. Strength. Oh, ouais, non, c'est pas la folie, non. Tant pis. T'as pas une grenade? J'ai des grenades. Tu peux envoyer une mine à bout portant, ça marche. Ah bah non. Dommage. On va knocker. Putain, je vais mettre une seringue, moi aussi. Eh merde, il est où le truc? Ah voilà. Attends. Bouge pas, ils vont sauter dessus. Non mais, j'ai marché dessus comme un débile. Bon, tant pis. J'arrive. Bon, moi, heureusement, je vais regagner de la vie avec le temps. Voilà, ça c'est fait. Bon, on a massacré la moitié de la ville, hein. Je pense pas qu'on gagne les élections encore une fois cette année. Ouais, je pense que ça va être cette compliqué. Année, ça va être compromis à nouveau. Ça va être compliqué, hein. Je crois que le parti communiste ne nous donnera pas ses voix. Super. Et t'as même eu un viseur, je peux l'avoir? Ouais, ça va tiens, être plus précis bien sûr, avec son flingue. Aucun problème. C'est ça, accuracy hood. Voilà. Cool, je vais le mettre sur le Luzi du coup. Nickel. Voilà, super, accuracy mode, cool. Du coup, je suis vachement plus précis avec là, ça marche. Hein. Ouais. Ça marche les enfants, on est bien. Je regarde quand ils voient un gun, faut assumer, oui, tout à fait. J'espère en tout cas que vous êtes posés, que vous êtes pépouses les enfants. Et attends, comme le live de l'année dernière, hein, c'est le moment de la question IRL. Ah putain, par contre, 658 spectateurs, je crois qu'ils croient toujours que j'héberge Crane en fait. Le truc, il a rien compris. Quand ça, la question IRL? Eh ben l'année dernière c'était la question IRL pour putain, la défaite. Le mec il se souvient des programmes de l'année dernière. Ah ouais quoi. Ouais moi je m'en rappelle. Le geek. Ouais faut bien que j'apporte une valeur ajoutée. Les dossiers du Lennon avec Géal. Oh non. Oh non. Écoute garde ça pour demain soir. Là il y a un gars. Oh un générateur. Une seconde combien il m'en est. Il m'en manque un c'est celui-là. C'est celui-ci si tu veux. Super tu l'as détourné. T'as détourné son attention c'était impeccable. Allez, petit terrorisme. Voilà. On a fait toutes les missions. On a tout. Hein. On a tout. Attends, il y a encore un coffre en bas. Oh, on se casse. Ça en vaut pas la peine, vraiment. Pourquoi il me poursuit, lui? Oh, putain. J'étais propre, enfoiré. Très bien. Allez, le flic, attends, il vient. Il se pose la question. Tu peux le manger, peut-être? Ouais, je pense qu'il le sait quand même. Tu regarde la façon dont il fuit, je pense qu'il sait que c'est moi. Non, il cherche. Putain. Ah, ouais, c'est mon truc. C'est bon ça. Alors attends, il y avait un coffre quel encore. Coffre? Ah, le coffre-fort. Bah, vas-y. Ouais. Vas-y, moi je me casse. Le mec direct. T'es bien niveau cartouche parce que là on approche du niveau 3. Hein. Oui, non, mais honnêtement, je suis très honnête. Hein. Sauf si tu veux bien trouver un mec qui a de la. Putain, mais il est où ce coffre? Ah, il est juste là. Qui a des balles, moi je veux bien le manger si tu veux, mais. Enfin, je veux bien que tu le manges et prendre ses trucs, mais ah oui, lui aussi, ouais. C'est vrai. Attends, avant de le faire. Ouais, je t'attends. Je vais scarfacer. Tu le manges, puis moi je scarface le garde. Mmh. Attention. Donc c'est moi qui donne le top cette fois. Tu fais 3, comme... 2, 1 et clique. Mets-toi dans ce sens-là, au moins il pourra pas venir. 3, 2, 1, go! Très bien. En plus, pile poil 100%. Ça s'est très bien passé.
Alors, de l'or. C'est bien, on est tous les deux blindés. On peut se tirer. Attends, moi je vais tenter. Observe. Quel bâtard. Jamais parier sur ma chance, les enfants. Putain. Ils sont morts de rire. Ça se fout de ta gueule. C'est garanti. Hein. Trop c'est de garanti. Sel, trop de sel. En même temps, j'ai pas perdu une fois au slot machines. J'avoue, j'avais la pression, mais ça s'est bien passé. Putain, ça me donne envie de frapper un clodo là pour me venger. Et moi, je me casse. Mais tire-toi. Voilà. C'est ça, casse-toi. Bah, oups. Mais tu vois, t'as toujours une avance d'XP sur 1 parce que tu butes tellement d'innocents et ça te donne plus d'XP. Non, ça n'a rien à voir, c'est le skill. Le skill. Le skill. Très bien, le skill. Oh, récupère plus de vie d'une morsure. C'est peut-être pas quelque chose que tu veux, on ne sait pas. Augmente la capacité à mêler, ça c'est cool. Non, je suis obligé de prendre ça. Parce que on arrive à des niveaux où la vie est plus basse que haute. Ouais, mais après il faut que tu réussisses à manger un mec quand ça t'arrange en fait. Non, mais ça me va, je prends. Le mieux serait quand même l'augmentation de la vitesse de drain. Ouais. Et ça, non, ça et puis, non, et puis je l'aurai après, je pense. Ça c'est juste trop pété pour pas que je le prenne quoi. C'est vrai, tu as raison. Alors, Riot, il y a une émeute. Ok. Émeute, ça veut dire je pense que tout le monde se bat. Tu regardes que ta vie n'est pas très élevée quoi. Je sais, mais j'ai des bananes. Regarde, je mange. Voilà, je te fais plaisir. Oh merde. Ah, je l'ai touché avec. Attends, l'achève pas le docteur. Et si tu le trouves, ce docteur qui est zéro life, le bute pas. D'accord. Il faut que j'achève avec une banane. Vas-y. Et ça devrait développer. Ça devrait débloquer. Il a zéro life, prends la banane. À ce moment, on le traquait. Putain. Donne-moi la dernière banane. Oh putain, c'est vrai que c'est une émeute. Souviens-toi, c'est une émeute. Comédien, quelqu'un est mort avec la banane. Super. Pour débloquer le personnage du comédien, il faut tuer quelqu'un avec une banane. C'est lol. Sérieux, les mecs. Ah, il y a un générateur qu'il faut détruire. Bon, alors. Et là, il y a un truc vert là. Où on passe? Fais gaffe, il va te frapper. Ah non. Oh non, il est cuit. On va passer par là. Par là. Alors. J'ai pas envie de me faire chier. On va se... Chier. Le c'est mec. Vrai que moi, il me voit, il est caméra. Mais attends, mais c'est une porte blindée ça. Ah non, mais je peux l'ouvrir. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Ok. Mets des patates. Aïe. Oh, un bacon cheeseburger. Level up. Attention, ça craint pas. Pouvez pas tant que je... C'est un mur blindé, ça a toute ma confiance. Il y a un truc tout à droite là. Ouais, j'arrive. Attends, je m'en occupe ce truc. Parce que... Voilà. Super, merci. C'est pas par là. C'est en faisant le grand tour. Faire le grand tour. Le grand tour. T'es obligé. Acheter un item mystère, je l'ai pris. Waterator. J'ai un at-aterator, c'est-à-dire le générateur de haine. Et ça marche dans les conduits d'aération, si tu te souviens. Donc ça, c'est très très bon. Générateur de haine qui force les PNJ à se détester. Tu mais on est déjà en état de meute. Au sud. Non, mais y'a rien là. Ouais. Au sud, y'a un truc. Y'a le PC, mais c'est tout. C'est un PC ça? Merde, je suis désolé. Ok, c'est pas grave. Alors. Du coup, moi j'ai. Un générateur sur 4 détruit. Les 3 sont tout en voie droite. Là, et last lake d'alcool. Augmentation okay. Boot, goodie dispenser, ammo dispenser, safe, drug dealer. Faut à tout prix qu'on se fasse les coffres là. On n'a pas le choix. Là il y a deux personnes que je suis obligé de bouffer, hein. On va pas se mentir. Attends. Attends, il y a une émeute là surtout. Tant que toi. Ah ça régène bien. Moi j'ai sorti mon flingue. Bien joué. Déjà. J'aime bien les émettre parce que t'as plus qu'à. Ah j'ai fait pour l'XP. Hostile. Ce merdier.
Il y en a qui ont des flingues, ça rigole pas trop quand même. Un vendeur de drogue. Oh, c'était lui le werewolf, ok. Super, bien joué. J'ai chopé un truc marrant, un tranquilliseur. Hey. Oh, c'est propre ça. Très intéressant ça. Oh putain, un medikit. Pour moi, je suis goldé là. Bon, il faut que je passe par là. Je suis dans la. Oh, il y a une clé. Okay. Oh, le générateur. Ça t'es où? Putain, il y a encore des gens qui veulent me taper. Voilà. Calme-toi. Ok, oh il est assommé. Eh, tu peux peut-être le manger hein, tant qu'il est assommé. Il y a un mec invisible par contre qui vient de me frapper. Ok, on s'en bat les couilles. Tu recules. Nickel. Bien joué ça. Ça c'est fait, je vais te péter le truc aussi tant qu'on y est. Et par contre tous ces PNJ qui sont en guerre constamment. Ouais. Par contre le tranquilliseur, le mec se réveille pas. Là il y a un coffre. Ah, mais tu l'as apparemment chopé. Ouais. J'évolue dans le chaos. Oui attends, il nous faut mes générateurs. Il me manque deux générateurs. Calmons-nous. Là il y en a un. Ouais voilà, mets-lui des patates. Oh putain. Là je vois le deuxième. Oh là là, même les clochards ont des fusils à pompe. C'est quoi cet endroit? Quelqu'un a utilisé une seringue invisible. C'est bon, je l'ai eu. Je vais régénérer un peu parce que là, faut quand même pas trop déconner. Ça y est. Boum. Les générateurs sont morts. Moi j'ai ma grosse quête. Nickel, parfait. Qu'est-ce, moi qu'est-ce aussi. Qu'est-ce qui nous manque? Rien. Rien, on peut se casser. Tirer. On peut se casser. Il y a juste un coffre qui reste là, mais on s'en fout. Allez, on se tire. Ouais, on se tire. Le coffre fort, t'es sûr? Ouais. Alors ouais, moi ouais. J'ai besoin d'XP, j'ai du retard d'XP sur toi, il faut que je gagne XP. Allons-y. Et on a largement l'armement nécessaire pour ouvrir ce coffre. Moi j'ai ce qu'il faut. C'est une blague là. Attends, je vais utiliser mon itérateur. Ah, je peux pas le frapper parce que c'est moi qui l'ai délivré. Par contre, je peux quand même le bouger. Ah. Merde. Putain, il y a Mister T qui m'agresse là. Ouais, donc ça c'est bon. Ah tiens, je vais aller dans le commissariat, on va foutre la merde. Regarde, je vais utiliser le Hatterator dans le... Ah non, je peux mettre que les clopes. Bon, moi je mets les clopes. Bon, allez. J'utilise les clopes. Alors ça c'est bon. Où es-tu? Ça va, tu t'entraînes? Non, je sers l'état américain. Merde. Qu'est-ce que je peux virer de ce truc? J'ai les clés, j'ai les combinaisons de coffres, j'ai tout. Alors du coup là par contre, il va s'agir de passer la caméra de surveillance sans se faire pécho. On va tester. C'est bon. Impeccable. J'ai l'argent, j'ai l'XP, j'ai tout mon cher G. On peut se casser. On peut se tirer alors. On peut se barrer. Ouais. J'ai tellement de trucs. Impeccable. Vous avez vu, non, honnêtement, militaire, vampire, on a vraiment une bonne. On a une bonne coop quoi. Ouais, on là, a une très là, bonne on synergie. On est plutôt bien là, ouais. On est très très bien. On a vraiment des bons persos. Il est toujours stun le mec. Hein. Je suis sûr que tu peux le bouffer pendant qu'il est stun. C'est la grande force du fusil à stun, je pense. Hein. Tu knock à la porte, le mec il arrive, pac pac. Non, parce qu'en fait je le fais tomber à terre, donc je peux plus le boucher derrière. Ah, d'accord. T'as une pilule de cyanure, j'ai l'impression. C'est le C, ça. Faudra que je regarde. Ouais. Faudra que tu me files en fait, tout est produit. Alors, laser, alors voyons voir. Médical professionnel. Et les fois ouais, non, mais ça c'est juste trop pété. Bon, bah le laser, ouais. Allez,
Moi du coup, augmente la mêlée, ouais. Tes balles détruisent les autres balles. Ah, et les armes posées par les autres ont plus de munitions. Et ça c'est divin les enfants. C'est ultra divin. Important, ouais. Ce qui fait que tous les flingues que je vais récupérer, il y aura au moins 10 balles dedans, et donc tu les enchaînes, quoi. Là, c'est Matrix. C'est pas Equilibrium, c'est Matrix. Ok, industriel 1. Alors attention, oh, je vois déjà un générateur, ça me plaît ça. En plus, on doit péter un autre générateur, donc on a tout gagné. Appuyez sur 3 boutons et il faut trouver le loup-garou, comme d'habitude. Ok, ok. Attends. Pour ce générateur, je propose, je vais jeter une grenade. Attends, j'ai une seringue là à balancer. Allez. Qu'est-ce que tu mets? Je sais pas. Slow. Ouais, pourquoi pas. Tu les as ralentis, ça les a fait un peu paniquer. Je vais jeter une grenade au milieu de ces gens. Tire dessus. Attention, j'ai posé une mine hein, dans le chemin de droite. Donc. D'accord. Ah putain, c'est le loup-garou qui te poursuivait. Ah, c'est pour ça que j'avais qu'il y en a un qui me cognait fort. Voilà. Rentrez chez vous, monsieur. C'est bon. Alors, c'est en plus, bon, il a vidé ma mine. Un peu. Non, il a même pas vidé ma mine en plus. J'ai les clés du casino, mon gars. Ouais, par contre, j'ai perdu masse de vie, moi. Donc, on va se calmer. C'est bon. J'ai le kit de soins. Bon, soit. Ok, très bien. Ah, du coup, ouais, ça te voit pas. Ouvre le coffre d'abord. Non, je serai à distance, donc ça tombe bien. Je vais faire dans un deuxième temps. Voilà, au calme. Très bien. Tiens, prends donc ça, je te le laisse sandwich, dans le frigo. Ouais. Et on s'est aménagé notre petite sortie. Putain, par contre, j'ai tellement plus de vie. Attention à la mine. Ouais, non, mais regarde, là, il y a un mec seul. Ouais. Ah. Regarde, oh. Entre dans ce magasin, ouais. Et mange ce mec seul. En plus, il a un flingue, donc ça me permettra de recharger le mien. En plus, j'ai bien fait de... Je ferme la porte. Voilà, très bien. Voilà. Très bien, voilà, c'est juteux, ça. Ah non, le shotgun. C'est un fusil à pompe, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Alors, attention, il y a le... Allez, pour 42$, je re-remplis mon flingue. Ouais, le générateur. Sur la mine. Super. Voilà. La poubelle, à moi. Tiens, vas-y, je te le laisse. Merci. Ouais, je prends la bière. Ça. Est-ce qu'ils sont avec nous? Je ne sais pas. Là, il y a l'air d'avoir masse de gaz dans ce bâtiment. Donc, ça m'a l'air dangereux. C'est du gaz à quoi, à ton avis? Ça va nous faire mal. Par contre, là, il y a un policier qui se tire. Bois-le. C'est bien, ça remonte. Nickel, ça. À moi le bâton. Tu veux le bâton, ouais, vas-y. Ok. Est-ce que j'ai le pouvoir de détruire les murs ou pas? Oui, je pense que oui. Ah non. Non. Moi, je crois que je l'ai. Je vais vérifier. Ah, il a un masque à gaz, ce travailleur, là. Putain, chier. Putain, la police. C'est bon, je m'en suis sorti. Putain, mais bordel. Attends. Il allait s'endormir. Désolé. Je suis désolé, moi j'ai pas réfléchi, je sauve le Jay. Du coup, c'est toi qui prends le risque d'aller dans la chambre aux horreurs. Ah, confute, ça inverse tes commandes. Oh, le silencieux. Oh là, l'XP qui saute, il est déjà level 4, gars. Ah putain, je suis toujours confus. Alors, Y. Non, X. On va mettre le silencieux sur le pompe, mon gars. Voilà. Voilà. J'ai éteint l'électricité. Putain, je suis toujours confus. Je ne vais pas tenter de combat en étant confus. Il y a encore 5 secondes, ouais. Alors, ici, je pourrais mettre un produit. Là, non. Là, il y a juste des flics. Là, je peux mettre un produit. Qu'est-ce que j'ai comme produit chimique? Alors, il paraît que t'es loin du micro, Bob. Ah, merde. Qu'est-ce que j'ai comme produit chimique? Attends, peut-être on va le mettre en omnidirectionnel. On va paniquer le game. Une seconde fois. Oh. Voilà, là, normalement, ça devrait marcher. Putain. Ok, très bien. Donc, disions-nous. Activons ce système de filtration. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une seringue rouge, t'es prêt? Ah, c'est du slow. Ah, quel dommage. C'est juste du slow. Bon, ça va les vexer déjà. Fais gaffe à ta voix. Ouais, là c'est mieux là. Ok, écoute. On ne sait pas. Alors, moi j'en étais à
récupérer. Oh oui. Ah oui, j'ai perdu. Non. Non. Le flic. Non. Non. Je me suis tapé un wagon. C'est bon. Du coup, je peux rentrer là. Tiens, on va rentrer. Attention à tous les pièges. Tu vas pas tomber. Ah, il y a un coup de bol. Okay. Ce mec, elle est au générateur comme un débilos. C'est bon. Nickel. Oula là 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 là. Moi j'ai gagné le rayon à glace et toi t'as gagné le casque. Voilà, on est bien. Est-ce qu'on peut échanger? J'échange mon rayon à glace contre le casque. Je suis pour. D'accord, j'ai bien gagné de la vie. On va gagner de la vie. Là il y a un clochard. Parfait. C'est ça, viens par là, venez, venez. Bon, je suis en train de pomper un pompier. Ah lui je peux pas. Pourtant il y a un coffre. Attends, on va rentrer un petit coup de tranquilliseur. Je t'aime pas. Bien joué. Bon, par contre j'ai perdu masse de vie, hein. Attends un peu que ça remonte. Ouais, il y avait quoi dans le coffre? Juste ça, un hacking tool. Mais pour le coup pas encore trouvé de quoi que ça peut être utile, hein. On pourra essayer, hein, le hacking tool. Je suis pas sûr que tu puisses hacker un pompier mort, mais sinon. Oh là là, tu suces tellement fort. Ah, attention au chariot. Voilà. Oh, le conteneur. Moi c'est bon, j'ai tout détruit, on a fait toutes les missions. Est-ce qu'on a buté le loup-garou? Oui, ouais. Bon, on se casse. Ok. Impeccable. Ok. Impeccable. attends, avant ça. Je vais manger ma bouffe. Voilà. Le sandwich au jambon. Je vais voir s'il le remarque. Ah non, il le remarque pas. La bière. T'as vu? C'est silencieux. Ah putain, et ça fait. Ouais, c'est l'efficacité du truc. Hein. Ah voilà, et je peux faire ça à distance, ouais. Inspire hate. Ok. Voilà. Donc en fait, c'est très puissant les objets que j'ai. Si on a des objectifs, ça devrait bien se passer. Alors, on va se faire un petit peu d'XP gratos. Non, ça tue d'un coup en fait. Y a pas de. Voilà. S'il est inconscient, tu l'achèves. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Du coup, on est bien. Du coup, on peut faire des vraies stratégies, les enfants, avec, nos, avec notre matos. Ah, cette fois, j'ai été encore moins. Électable. Voilà, électable. Électable. Tu veux ton monster? Élisable. Il en reste un fond. Un fond d'inou. Ouais, du coup, un fond tiède. Achève-moi cette merde. Ah! Ah! Moi qui gagne mon level, alors attends, classe Solidarity, je peux pas taper les gens de ma propre classe, sauf s'ils sont hostiles. Tiens, j'ai regardé le chat un peu en attendant là. Mais les balles seulement. Alors. Et ça les rend alliés. Ah mais ça marcherait bien si j'étais zombie si tu veux. Voilà. Oui. Slippery Target, ah oui, les ennemis ont plus de mal à te viser. Studieux, je gagne plus d'XP. Et tu sais quoi, ça m'intéresse parce que... Studieux c'est intéressant parce que j'ai assez de retard par rapport à toi en fait. Éligible. Éligible. Ah je vais prendre Slippery Target. On a sucé tous les bécherels, c'est pour ça. C'est ça. On a sucé les bécherels. Coucou Jal, salut la chèvre. Ok. Il faut parler là-dedans et regarder là-bas. Il fait quoi le militaire? Ben. Le militaire, il est armé. Voilà. Il est armé jusqu'aux dents, il détruit des choses. Il a besoin de faire exploser des trucs explosifs. Mais surtout, en fait, son pouvoir de base. Attends, pose ça. Son pouvoir de base, c'est de. C'est de régénérer jusqu'à 20 points de vie s'il est blessé. N'importe quoi. La technologie. Là. Allons-y. Alors. Ah, et ben voilà, on l'a retrouvé. Ah putain, le vent, c'est lequel? Attends, mais regarde, attends, normalement. Okay. Non, je pense que c'est le noir là. Attends. Voilà. Mais et l'autre? Quel autre? Je pense que c'est le rose. Ah bah, je prends le risque. Moi, je pars du principe qu'un loup-garou est forcément un clochard. Big Quest, non t'as raison. Voilà. À la seconde où tu l'avais tranquillisé, ça comptait. Tu l'avais neutralisé. Et lui, il a rien vu. Il s'est posé aucune question. Ouais, le wagonnet. Alors attends une seconde. On est là, les objectifs. Ici, overclocked, générateur.
générateur, et il doit y avoir un autre générateur dans tout ce merdier qu'on ne voit pas actuellement. On doit... Ah bah là, il est là, ce générateur on doit le détruire, on gagne même un silencieux pour ça, c'est cool. Bah vas-y, tu le prendras parce que j'en ai déjà deux. T'as pas de silencieux toi? Bah j'ai déjà deux équipés. Ah putain, salaud. Un sur le lui. Attends, attends une seconde. Putain, faut à tout prix je trouve des munitions pour le tranquilliseur, c'est bien trop fort. J'avoue. Alors attends, bouge pas. Là il y a un ordinateur, je vais essayer de l'opérer à distance. Outils de hacking. Putain, les flics me voient. Oh, j'ai pu le hacker. La porte est ouverte. Oh, j'ai esquivé les balles. Bien joué, j'arrive. Touchez pas, mon pote. Je peux pas tirer, sinon je vais te toucher, je pense. Quoi que si, non, t'as pas pris le skill... Oui, vas-y, main fighting, ouais. Faudra qu'on teste hein, si je peux tirer dessus ou pas. Voilà, okay. Attends, justement, il y a des balles, là. Tu veux pas te tester, bouge pas. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon, pas de infighting. Donc quand t'es dans la mêlée, je alors, peux. Alors attends, je peux te lâcher des trucs en échange de attention. Ton. Ah non, c'est le oh, le mec. Le pompier. Alors, qu'est-ce que je peux te lâcher? Beaucoup de bouffe. Ouais, bah moi je veux bien, ouais. J'en ai plus, ouais, surtout. Alors, je peux te lâcher ça. 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 Je lâche le lockpick, moi, non, de ce côté. Merde, il y a un truc que je voulais, c'était ton. Le truc qui gèle là. Oui, bien sûr, aussi. Merci. Et ça aussi, prends le crochet si jamais. Ah ouais. Alors, le freeze ray, je sais pas trop si c'est exactement ce que j'avais avant, on va tester. Si, c'est celui qui gèle. C'est celui-là, je te confirme. Alors, bon, on va tester. Hein. Il y en a un qui passe. Ok. Putain, mais sérieux, les mecs, venez là. Il faut toquer. Il peut les manger du coup? Est-ce qu'ils se dégèlent ou pas? On va voir comment il va les manger. Ils avaient aucune chance. J'avoue. Énorme. Allez, je te suis. Qu'est-ce que tu veux? Mais quoi, mec, il dit rien. Qu'est-ce que tu veux? Non, comment tu parles à mon pote? Attends, surtout qu'il y a la porte derrière. Tiens, en fait. Mange ta chiasse. Oh! Non, on fait tellement les Hitman, tu vois. J'avoue, là, on déchire un peu. Regarde-moi dans les yeux. 1, 2, 3, d'or. Oh là là. Le vrai Dio. Par contre, ce qui est moins glorieux, mais tout aussi efficace, ça s'appelle les violences policières. Attends, une seconde. J'ai ouvert la porte. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Attends. Vas-y, mange-le. Putain, une check. Bon. Compris ce qui s'est passé. Je les ai tués. Là, tu m'as pris mon cheeseburger. Je vais te le rendre. Je vais te l'échanger contre ton argent. Là, il y a des membres de la pègre, ils te voient. Oh putain, par contre, ce qui m'ennuie, c'est que c'est la police qui m'en rend. J'ai quand même réussi à ouvrir toutes les coffres, les portes ici. Donc, normalement, on peut pénétrer à loisir. Non. Alors, faisons les choses dans l'ordre. Je te propose d'OP. Ah, attends. J'ai le Ghost Giver. Il y a un fantôme là, je vais tester. Bien joué. C'est pas mal. T'as récupéré plein de thunes. C'est quoi ça, Lloyd Conteneur? Putain, lui, il veut me taper. Avec une hache. Non, je ne suis pas d'accord. Ah ouais, regarde, je balance de la... De l'huile, ouais. Comment je fais? Ah, attends, mais je peux lancer un incendie gigantesque, alors. Ouais, mais il faut mettre du feu, t'as pas le... Non, mais je vais le relier au feu, attends. Mais t'as plus d'huile. C'est déjà fini, si tu veux. T'as pas le droit d'avoir du fun. C'est réglé. Alors par contre là il y a un générateur, non, je vais tirer dessus à travers la vitre. Si je pète ce mur, il y a les flammes, on est d'accord. Attention. Oh. Wow. Et ben voilà. Oula. Hop, je me nourris, c'est le chaos absolu.
C'est bon. Ouais, je vais me récupérer son cheeseburger, mec. J'ai tout gagné. Non, on peut pas. Dommage. Dommage, dommage. J'ai vraiment ouvert toutes les portes. C'est vite, t'as déjà vidé le coffre, très bien. Si on nous dit. Ouais. Il n'y a rien. Alors, moi j'ai un interrupteur sur trois. Enfin, un générateur sur trois. Il y en a un en bas à gauche, là, de notre position. Il faut qu'on aille dans la rue, on va à gauche. Ouais, ouais. Attention, c'est plein d'huile. Hein. J'ai vu. Là, il y a du feu. Il y a plein de boutons et des choses à opérer. Oui, mais attends, j'ai ouvert toutes les portes ici. Normalement, j'ai hacké l'ordinateur, toutes les portes sont ouvertes, donc c'est offert. D'accord. En plus, tu peux passer à travers les lasers et tout, donc toi, c'est goldé, si tu veux. Ah ouais, alors cela, j'espère. Ouais, c'est bon. Alors. Trois patates, tu t'éloignes loin, par contre. Ouais, parce que c'est des grosses. Non, en plus, parce qu'il est, il est jaune, enfin, il est rouge. Voilà. Alors ça, c'est genre bien loin. Voilà. Impeccable. Wow. On a pris plein la gueule. Ouais. C'est ce que je voulais. Super. Et t'as gagné des boîtes. Et dans la boîte, il y avait de l'argent. Très bien. Allez, on va s'enfuir par la fenêtre. Ouais, et puis perdre un peu de vie, comme ça au moins. Voilà, nickel. Pécable. Ensuite, au-dessus... Il y a un coffre, là, juste derrière ce mur, ouais. Là, ce coffre. Et on peut pas... Bien, on peut pas péter la porte. Attends, je vais tester. Est-ce que j'ai quelque chose, à part des clopes. Et un truc inconnu. Vas-y. C'est inconnu. Allons-y. Invisible. Soit, c'est pas exactement ce qu'on aurait voulu. Ah, c'est pas le. Ah, t'es invisible aussi. Oh putain. Non, mais il y a le vendeur, surtout qu'il faut boire là en fait. Ce vendeur. Écoute, on est prêt, on Scarface, ouais, bien sûr. 1, 2, 3. Yep. Ça c'est bien Scarface. Ouais, c'était ça. Voilà, il me fallait. Ouais, je pensais que t'allais le bouffer. Ça, il y a moyen que tu fasses des vieux ralentis bien violents, quoi. Allez, nickel. Oui, mais bouffer les gens, c'est un peu trop subtil des fois. Des fois, t'as juste envie d'en faire des raviolis, c'est normal. ATM. Oh, un truc pour retirer de l'argent. Intéressant ça, si jamais on arrive à le hacker. Un petit haku, on s'est fait haku. Ah non, c'est pour putain, récupérer des items, non. Il y en a un qui me connaissait. Forcément, le Jal est fameux, le Jal est connu. Il y a une mission au nord, je vais y aller. Putain, je vois rien. Ah, ouais. Allez, ça suffit là, calmez-vous. Jal prend des risques et vit des aventures folles. Attends, il faut récupérer une balle de baseball tout en bas d'un connard. Il met des pauses pendant mon combat. Excuse-moi. Voilà, c'est bon. La police de ce niveau a été neutralisée. Je me suis pris un wagonnet. J'ai 15 points de vie, c'est parfait. Alors on va éviter... voilà, on va commencer par Jean-Michel Clodo, c'est très bien. Tu voulais faire quoi là du coup? Il y a une quête, regarde, tout en bas. Ah ouais. Ça se tombe bien. Trouve l'item. Bah super, mange-le, puis c'est réglé. On va le manger. Bonjour. Qu'avez-vous mangé à midi? Je vais vous le dire. Eh ben voilà, t'as la baseball, plus qu'à la rendre et puis à manger le vendeur. Ouais, c'est clair. Une pierre de coups. Oh, il y a un flingue là. Ah ouais. Il y avait un flingue. Oui, d'ailleurs, attends, excuse-moi, il faut que je mette le silencieux. Parce que j'ai le viseur sur le Luzi. Mais maintenant j'ai le silencieux sur le flingue et ça c'est goldé. Là on est bien. Il est où Jean-Michel Mission? Tout en haut, au nord de ta position. Ouais. Tout à fait. Ta-na-na-na. JL, fais gaffe au MST. Attends, est-ce que t'as de l'argent? Parce que pour 200 balles, mon cher JL, je peux avoir Modern Warfare level 40. J'ai déjà 350 balles, tu vois. Mm-hmm. Donc attends, fais-moi un emprunt. Fais-moi un prêt. Ouais, bah je peux te filer mon argent. Alors là, je peux pas trop les attaquer, ils sont un peu trop nombreux, c'est pas très grave. Il y a un fantôme. On va se gazer, voilà. C'est une hache. Dis-moi où t'es. Tu vois, quand on est séparés, il y a la map au centre. Alors. Donc lâche ton fric.
Lâche ton blé. Oui, monsieur. Lâche ton blé, mec. L'exploitation. Lâche tes burgers aussi, lâche tout. Alors, drop. Tu t'enlèves drop, tout, même le tampax. Drop. Non, faut pas pousser le reste, je garde. Voilà. Parfait, regarde ça. Oh, les Modern Warfare au level 2. Maintenant, ma vie remonte jusqu'à 40 points de vie. Donc, c'est fumé. Non, c'est un fantôme. Je sais. C'est de la nourriture de sommelier. Ce soir, je vais sucer... Bonjour. Votre sang. Alors, comment on se charge de ces... Tu viens m'aider? On se fait un petit Scarface, là, chez les... Ouais, mais ils sont un peu nombreux, là. Les esclavagistes, ils sont juste 3, ça va? Laisse-moi jeter des pots de banane dans ce cas-là. Écoute, quand attends, tu veux. Attends, je vais en geler un, là. Et deux, il y en a plus. Oh là là, t'as vu ça un peu? Eh ben, mange un. Oh merde. Prends le marteau, pardon. Oh merde, oh, il fait mal. Calmez-vous. C'était presque un succès parfait. Viens, je t'attends. Ok, le flic a pas l'air de m'en vouloir. Toi, mon gars. Non. Bon. Pardon. Zéro balle. Ce vol. Destruction de biens sociaux. Destruction du diable, surtout. C'est ça. Bien joué. Belle interception. Le suc. Wow. Le fou. Oh, tous ces scientos qui viennent. Il m'a pas rendu mon argent, moi, c'est ce que je constate. Alors, on peut monter, go. Ouais. Putain, j'aurais bien voulu lâcher une petite grenade là au calme à travers la porte. Ah ouais, il me manque un. Un objectif de. Ah bah, il est là. Ouais. Ouais, vas-y, je m'occupe du gorille. C'est par là, ouais. Allons-y. Hey, you're gonna hurt. Ah, c'est là. Bonjour. J'ai dit bonjour. Ok, vous voulez jouer au fond. Ah oui, d'accord, tu passes par en dessous. Ah, je les ai tous eus. Ah bah, parfait. Voilà, c'était rapide. Bien joué. Ah, l'argent qui revient. Ouais, mais je te le rendrai, y'a pas de soucis. Non, je dis qu'il revient chez moi, justement. Ah, pardon, attends. J'ai. Voilà. C'est le générateur qui fait de la... La prouve. La résistance, ouais, c'est ça. Bah nickel, on est bon là, on peut. Ouais, attends, on peut même avoir un item bonus. Attends, t'y crois ou pas? T'y crois à la roulette de l'item bonus? J'aimerais. Allez, tente. Je mange ma banane. Ah, j'ai le mini frigo. Ah, je peux vendre des trucs là, parfait. Alors ça, je m'en bats les couilles. Ah, tu peux vendre des trucs? Bah du coup. Ouais, bah du coup. Ouais, la crowbar, elle est défoncée, hein. Tu pourrais la vendre. Vends la pilule, hein, je sais pas ce que c'est. Garde. Ouais, mais c'est de la merde, vas-y, vends ça. Ouais. C'est quoi les 5-5 que t'as là, à droite? Cigarette lighter. Ah, t'as des clopes. Ah, tu pourrais pu mettre le feu à toute l'huile. Ah ouais, dommage. Ah, c'est à ça que ça sert. Allez, c'est bon pour moi. Tu fais un peu de vide. Alors pour moi, donc ça c'est cool parce qu'en fait, voilà, kill immunizer, c'est tous les 3 meurtres, ça me redonne des munitions. Pas à fond, mais un peu. Alors, est-ce que la qualité du sang d'un humain dépend de son groupe sanguin? Non, pas vraiment, mais après, tu vois, il y a les Bourgognes, il y a les Bordeaux, il y a les Côtes-du-Rhône. Non, vraiment. La vraie question, c'est pas de savoir si ça dépend de son groupe sanguin, ça dépend de sa classe sociale. Voilà, voilà, parce que clairement, tu te dis, je vais me taper un petit clochard, bah, c'est du Beaujolais nouveau, quoi. C'est il y a ça, un moment, il faut, voilà, il faut se respecter aussi soi-même. Voilà. Dans le sud, ils sont là, on va se taper un petit blanc pour l'apéro. Voilà. Dans le nord, ils sont là, on va se taper un petit noir. C'est pas la même. Il y a ce côté nourriture exotique, quoi, tu vois. On a tué le loup-garou, j'imagine. Ouais, je pense, oui, tout au début. Je pense qu'on a dû faire le ménage à l'infini. Putain, t'as tellement gagné de level à toi, un skill, nouveau skill. Alors. Ouais, alors, ça c'est pour qu'il s'enfuit plus souvent, mais on sait de la merde. Les armes de mêlée se pètent plus lentement. Et un larbin te suivra à chaque fois, mais non. Ah, attends, à te start each level. Ouais, à chaque niveau. Ouais, non. C'est mieux. Allez. J'avais pas de choix vraiment parfait, quoi. Ouais, j'avoue, hein. Le Clodo, qui est un personnage de départ, a plus de choix en fait dans ses pertes. Et il gagne plus d'XP. Donc ça. Putain, je me suis fait avoir par le. C'est une Warzone, don't get in the what? In the middle.
Ah, il faut pas se faire. Voilà, regarde, ils vont se battre. T'as ceux du nord qui vont. Ceux du sud qui vont au nord et ceux du nord qui vont au sud pour se tirer dessus. Regarde ça. Sur la gauche. Ok, alors dans ce cas-là, nous, on va accomplir une mission hit and run. Ouais. Sur notre droite, regarde. Il faut qu'on monte par là, puis on peut activer les trois switches et il y a un coffre en plus. En fait, tant qu'on n'est pas au milieu de la map, je pense que c'est bon. Laisse-moi juste hacker cet ordinateur, je vais ouvrir toutes les portes. On va gagner un temps fou. C'est à ça que ça sert. Mmh, tout à fait. Et je vais rendre fou peut-être un connard. Ok, c'est ouvert, et j'ai enlevé le gaz. Attends, je suis obligé de trouver l'endroit pour rentrer par contre. C'est au sud, c'est là. Ouh. Ok, je te vois. Bon, alors le but. Bien joué. Ouais, ok, je l'ai fait tomber dans le vide. Ok, et de 1. Ok, j'ai le 2. C'est toi ça? Ouais, c'est moi ça. T'as eu le coffre, t'as eu les boutons, t'as tout? J'en ai eu 2 sur 3. Il m'en manque un. Ah, il est là. Ah putain, il est là. Attends, je vais y aller, C'est bon. Le générateur au-dessus. Ok, je me le fais. P4. Le coffre, t'as eu le safe en haut à droite? Non. Je vais y aller. Comme tu veux. Ouh, attention, ne pas tomber dans le vide. Vas-y. Prends quoi? De là, c'est cool. Tiens, c'est cool. Du coup, on se casse, ouais. Putain, je suis à 41 sur 100, il va falloir que je bouffe du genre là. Il va falloir que tu bouges du jambon, des gens gentils. Ah non, pas sur les rails! Ah merde, c'est des rails! Oui, c'est bon. C'est bon. Ne fais pas des frayeurs comme ça, quoi. Non. Ils sont pas à nous. Il est mort, lui. 68. Oh, ça m'a donné masse d'XP, par contre. Attention. Il a lâché son flingue, ça m'intéresse. Putain, je sais pas récupérer. C'est bon, des balles. C'est lesquels qui sont à nous? Attention, chiant. Plus personne. Oh putain. Je me suis fait avoir, mec. Recule. C'est des cannibales en fait, c'est pour ça. Non, mais ils sont générés aléatoirement. Faudrait que tu me soignes. Non, 14 points. Tire-toi de cette zone. T'es dans la zone de nos ennemis. J'ai bu. C'est bon, je t'ai raise. Okay. Moi je vais régénérer. Enfin, je vais chercher mes items quand même. Parce... Vas-y. Prends les risques. Prends tous les risques. T'as plus que 3 PV. Autant dire que t'es mort. Voilà, c'est bon. Bien joué. Mais t'as plus que 3 PV. Putain, je vais récupérer mes items là, sérieux. Oui, mais récupère les après. Moi je vais les bouffer quelqu'un. Alors réfléchissons. Là il y a un coffre, là il y a un générateur et là il y a un générateur. On ne sait pas où est le loup-garou. En tout cas, hop, tac, tac. Ok. Attends, je vais essayer de trouver quelqu'un à bouffer là. Il y a un poste de police, mais c'est pas non plus. Ah, c'est pas offert, hein, j'avoue. Là. Toi, mon gars, même si t'es avec lui. Non! T'as vu? C'est bon, il a l'air d'avoir lâché l'affaire. Ah là, il y a un robot balayeur qui est venu, il a balayé le cadavre. Ok, nickel. Non, va bon, pas sur les traces des rails. Il va mourir au front, moi je vais essayer de me fumer. Ouais, fume-toi lui. Non, le voleur. Mais je peux pas. Il me regarde. Tu peux leur parler? Non, mais là, non, on va essayer de trouver quelqu'un de non affilié, tu vois. Ouais. Genre ça. Voilà, bon maintenant je vais aller chercher mon stuff parce que là c'est hors de question. Ouais, vas-y. Alors on va passer par le sud, pas déconner. Donc les sudistes sont avec nous à part de fou. Ouais, les hillbillies se battent contre nous, j'ai l'impression. Alors. Les hillbillies, ce sont les cannibales, hein. Ce sont les gars qui vivent dans les fermes. Oh putain! Les rednecks. Allez, 6 points de vie et fuck. Putain, j'en ai trop marre. Alors là, ils se battent. Le problème, c'est que je vois rien. Mon stuff. Ok, on a l'avantage pour le moment. Je récupère ma thune. Et je me tire.
Oh, ok, coffre. J'ai 6 points de vie, mais j'ai tout récupéré, donc c'est bon. 3 chicken McNuggets pour un coffre. Alors attends, où sommes-nous? Donc, faut aller sur la gauche. Moi je suis là, moi je dois aller au-dessus, et toi il faudrait que t'atteignes ce générateur avec ce coffre. Ouais, possible. je vais faire ça. Maintenant que j'ai récupéré mon stuff, ouais. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait au calme. Tout va bien. Tout va bien. Moi c'est compliqué, mais je peux peut-être. Putain. T'es où là? Ah, il était fusionné. Ok, je te vois. Ok, très bien. Donc là je peux rentrer dans le bâtiment. Voilà, de manière illégale. Fais donc. Voilà, j'ai ouvert les portes, j'ai ouvert les coffres. Alors. J'ai tout ouvert. Alors là par contre j'y vois plus rien si tu veux. Pareil. Merci. Ah ouais. Putain, j'avoue qu'on bosse pas dans les bons bâtiments là, du coup on est en train de se donner. C'est un peu relou quoi, parce que on est d'accord. Attends, seconde. Voilà. Ah ouais. Voilà, je l'ai forcé. Enfin, sinon, on n'y arrive plus, si tu veux. Voilà, c'est bon. Cinématique, c'est joli, mais là, pour le coup, c'est mieux de le forcer. Ok, j'ai le coffre. Bien joué. Alors. Ouais, je suis à peu près. Je me casse. Plus de munitions, de rien. C'est la panique. Hein. Ils ont pas. On se tient. Non, il me faut un générateur encore. Et moi, il me faut le loup-garou en fait. Ouais. Putain. Ça, il est peut-être dans les maisons du haut. Hein. On ne sait pas. Putain, mais comment tu fais pour contrôler ce truc? Faut y aller doucement. Non, mais même en y allant doucement. Mais ça, c'est le générateur. Et donc, on sait pas le où. Le loup-garou est pas indiqué, ouais. Seulement si on l'a vu en fait. Voilà, je peux me rendre invisible si jamais. Je me suis fait brûler la chatte. Ok. Voilà. Voilà. Je progresse. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le générateur. Ok, le werewolf est dans le coin là. Ah bon? Ouais, là où je suis en haut à gauche. Je traverse la route. Heureusement, les ennemis ont droppé des billards de partout. Ok, j'ai trouvé le loup. Ok, je l'ai eu. Là, maintenant, je vais me tirer parce que putain, ils sont très nombreux. Et j'ai 23 points de vie. Ah putain, oh non! J'ai pris un tir. Alors, où es-tu? Ah, je suis tombé, je suis mort. Je suis tombé dans un trou par bullshit de malchance. Non. La bullshit du malchance, quoi. Awesome. Ah, la bullshit de la malchance. Killed by Harry par shotgun et cannibal. Je me suis fait taper et ça m'a fait tomber dans un trou. Automatiquement, je perds 30 PV, c'est terminé. Et j'étais là, d'accord, pas de discussion, rien. Ah, attends. Ah, c'est beau. C'est pas grave, on peut tenter une deuxième run. Ouais, on va la tenter. On peut tenter une deuxième run. Ah, je vais passer à la run toilette, par contre. Ouais, vas-y. Mais du coup, faut changer nos apparences. Moi c'est définitif, je me mets une mohawk maintenant, ça déconne zéro. Alors je reste en rouge par contre parce que pour Jell c'est plus facile à reconnaître. Et câble. Bon bah tant pis. Ah moi je suis dégoûté, hein, c'est le bullshit de la malchance la plus absolue, quoi. Le coup qui te fait tomber dans le trou, moins 30 PV, c'est dégueulasse. Ah, je me suis fait softlock, là. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. C'est la violence de cette zone de guerre, j'avoue, hein.
Ça a pas l'air comme ça, mais en fait c'est difficile parce que dans la zone de guerre, les ennemis ne dropent pas de munitions. Ils dropent pas leurs armes en fait. Et comme ils dropent pas leurs armes, alors que normalement tous les ennemis du jeu dropent leurs armes, c'est très difficile de se refaire un stock et du coup t'as plus de balles, t'as plus rien, t'es à poil. Mais tant pis. T'as tout. Ouf de malade. Oh, oh, m'a pété le genou. Ah oh, shit. Il en restait. Qu'est-ce que t'as fait? C'est l'erreur absolue. Qu'est-ce que t'as fait? Tout va bien. Ah, tu l'as renversé sur le canapé. Ouais, mais il en restait qu'un. Salope. Ah, l'éponge. Ah, putain. Frotte, essuie, essuie. 8 mètres. Mais essuie mieux. Voilà. Y'a rien, ça rien passé. Impeccable. Ah putain. Non, parce qu'en fait, en m'appuyant sur la jambe, il m'a enfoncé la jambe dans le canapé et du coup, je me suis niqué contre le canapé. Ça manque de muscles. La souffrance est totale, salope. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh, les olives. Et tu veux, oui, tu veux qu'on s'enfonce pas. Tu veux qu'on se mette des olives? Alors, bien. J'irai pas jusque là. Très bien. Ce que je propose, c'est une olive par kill. Tu connais Tom? Olive et Tom? Non mais non. Non, refusé. Je dis non, c'est cette blague n'est pas valide. Bloqué par Twitch. C'est ça. Interdit. Je vais prendre un clodo. Moi je bouffe tous les clodons, je te préviens. Je fais pas d'exception, pour moi vous avez pas de nom, vous avez pas d'identité. Bah non, en fait voilà, j'ai envie d'avoir plus de possibilités d'avoir des skills. Et voilà. Par contre le désavantage c'est que je gagne moins de points de. Tu reprends pas un vampire? J'ai regardé. Ouais, je me marrais bien avec le voleur, hein. C'était marrant. Avec le voleur? Ouais. Les ennemis ont du mal à te viser. Ah non mais je suis suspicieux. Ouais, tu vois, c'est problématique. Non, mais reprends les vampires, on en refait une. Allez. Moi, honnêtement, pour Clodo, je vais le jouer comme un militaire. Merde, non, pas le cop. Je vais le jouer comme un militaire, hein. C'est juste que. C'est Rambo, mais tu sais, s'il avait pas fait son service, quoi. C'est ça, appuie sur A. C'est Rambo, mais post-service, si tu veux. Mais là, on y croit. Mais du coup, comme j'aurai plus de choix de skills et de perks et autres, ça devrait bien se passer. Le Clodo, c'est la classe mendiante dans Dark Souls, mais oui. Il y a toute une dimension RPG dans ce jeu, mais il est fou ce jeu. Hein. Il m'a fait découvrir ça, moi j'étais dingue. Alors quel est l'objectif? En tant que Clodo. Faire les poubelles. Faire 50 poubelles. Non attends, ouais, current run 750, slum 150, floor 50. Via ATM ou Bank Pay. Upper Crusty Payment. Je sais pas quoi ça veut dire, il faut que je donne de l'argent à un banquier. C'est ça en fait mon skill de gameplay? C'est bizarre. J'avoue. Il serait pas en train de caguer, non? Non, il est pas en train de caguer, il est très heureux là. Mmh. Non, quand tu le saurais s'il était en train de caguer. Justement, j'étais pris d'un doute. Du coup, attends, fais voir la map. Ouais, bah écoute, il faut qu'on opère 3 boutons et qu'on récupère une dent dans un coffre. Très bien. Ah, mais après, à mon avis, c'est pas par run, c'est pour la run complète. C'est-à-dire que c'est pas par partie, tu vois. Quoi pour l'argent? Pour toi, ouais. Current run, ouais. Slum 150, mais pour ce level, tu vois, j'ai 3 niveaux pour donner 150 balles. Donc il me faut de l'argent. Pour l'instant, j'ai mes points de clodo. Donc on y croit. Monsieur, dame, bonjour. Une petite pièce. Pièce, monsieur. Ah, il faut que je m'y remette sérieux là, je suis. Je suis en mode déçu en vrai. Du coup, je vais frapper un voleur. Voilà. Allez. Alors lui, il vend des daiquiris, mais si je mets des patates. Ah, ça, c'est toi, enculé. Bon, j'ai la clé du casino. Ouais, j'ai l'item, j'ai gagné un frigo. Mais reviens. Ça c'est bon. Sexy quoi.
seconde, laisse-moi juste remettre dans les settings. J'étais en train de... Arrête, appuyez. Ce mec qui aime flinguer mes parties, quoi. Mais ta gueule, je mets le truc cinématique, moi. Je pense non à... Non. Je pense à Twitch. Ah, tu l'as raté. Wow. Ouais, j'étais un bon fait. C'est moi, ça. Ah, merde. Putain, mais mes PV, quoi. Au secours. Voilà, la prochaine fois que... Ça, c'est un problème d'écran splitté. On reconnaît plus ses amis. Quel enculé. Bon, est-ce que j'ai eu le garrot? Non, je l'ai pas eu. Je suis mort. Est-ce que tu veux bien me ressusciter? Merci. Comment ça, j'ai pas eu le loup-garou? Il était dans le coin, là. Il est dans le coin, là. Peut-être plus haut, alors. Ah, c'est vrai que je suis plus militaire, j'ai plus besoin de péter les réacteurs. J'ai tellement l'habitude de péter les réacteurs, maintenant. Oh là là. C'est lui. C'est pas lui. Ah non, j'ai tué un rival. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est... Je regarde les traits que je peux augmenter. Est-ce que t'as récupéré un peu d'argent, toi, ou... Je suis à 35 balles. Pourrais-tu considérer un emprunt? Moi, je vais les jouer à la machine à sous. Oh, enculé. Oui. Oh, il a gagné. T'as l'argent dont j'ai besoin. Donne-moi cet argent, Jay. Soit la générosité, Bouddha te le rendra. Alors, on va faire un truc. Je vais te donner 58 balles. Mais t'as l'obligation de jouer 50 balles à la machine à sous devant moi. Ah non, il faut que ça compte. Et si tu perds, jamais tu n'auras plus d'argent, papa. Non, plus il se barre. Non, Clodo, reviens. Oh, le Clodo, il s'est tiré, putain. Quel enculé, ce Clodo. C'est bon. Au moins, ça m'a donné de l'XP. C'est toujours ça, c'est la Zermie. Par contre, c'est la Zermie. Ah, tiens. Hop. Bien joué. Je vais péter l'argent, je vais essayer de voir si on peut le poser à un ATM. Enfin, si c'est comme ça que ça marche. Non, mais t'es obligé de le jouer, hein. C'est parti du deal. Non, mais fais péter. Je vais dire, il te restera 8$. Je vais voir comment ça marche. Laisse-moi avoir de l'XP. On va voir. Non, mais on va voir. Attends, il est où le... Elles sont où les machines à sous là? Parce que le mec, oui, j'ai de la chance. Oui, tu peux pas trahir le lien. Ah, bâtard, mais forcément, mais si tu forces la chance, elle viendra jamais. Elle est où la machine à sous? Mec, c'est comme les érections, hein. Si tu te forces. Hein. Ouais, ça marche. Ah, il a libéré le singe. Oh, l'erreur. Fais péter, je vais vraiment trouver un ATM et savoir comment fonctionne le gameplay, en fait. Je vais voir qui veut le jouer à l'argent et qui veut juste le donner au Lennon. Je vous déteste. Ouais, montrez-vous. Vous avez le droit aussi d'être pro léchage d'anus, hein. C'est votre choix. Vous. Jeu d'argent, donne-le au Lennon, machine à jouer, joue la loterie. Gamble, ouais, ok. Casino. Ok, je vous déteste. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Mais franchement. Mais là, le problème, c'est qu'il y va pas en mode gagnant, tu vois. Mais j'aimerais vraiment savoir. C'est presque triste. J'aimerais vraiment savoir comment ça marche, en fait. Attends, je vais rajouter de l'argent. Là, il y a des machines à sous, là, Lennon. Il y a des machines à sous, je les vois. Hop là. On y va. C'est là. Ah non. Alors, laquelle tu veux? Bah, celle-ci. Celle-ci. Je garantis celle-là. Ok. Alors, 65 balles. Dans tous les cas, il te restera 15 balles. Je suis un mec sympa quand même. Quel enfer. Quel enfer. Si tu quittes cette machine à sous, je te bouffe. je regarde pas du tout où est-ce qu'il y a un ATM. Putain, il y en a pas. Non, ça, c'est une clone machine. Fuck, il y en a pas. Il y en a pas à porter. Bon, allez. Never bet. J'ai rien à dire. Voilà. J'ai rien à dire. Cherchons un ATM, laissez-moi poser mon argent. Et laisse-moi te rendre l'argent que je t'ai emprunté. Ça, c'est une machine à sous. Ça, c'est un singe. Mais voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, mais le live est tout de suite plus intéressant avec ce genre de challenge. Ah non, mais c'est diva. Je suis Gontran la chance, quoi. C'est absurde. C'est absurde. Ah putain, je peux lui donner de l'alcool. Je peux le corrompre avec du whisky. Mais je vais pas lui donner mon whisky si tu veux. J'ai mal vu. Non. Pardon. Non.
Oh, le voleur. Attends, attends, il m'a pas vu. Non, il m'a vu. Oh, t'as de la chance. C'est comme ça que tu protèges ta base en te tirant. T'as mis ça, c'est pour vendre. Il me manque un endroit. C'est là. Ah putain, tu trouverais pas un ATM? Un ATM? Ouais, un... Tu veux dire pour un distributeur. Pour poser mon argent, c'est ça? Oui. Littéralement, oui, en fait. Oh, un anneau qui augmente la force. C'est bien. Tout gagné. À ce niveau-là de chance... Je pense que j'ai plus besoin de personne, si tu veux. C'est vide, putain. Quelle bande de clodos dans ce coup. Oh là là, l'agression grave. Ça, c'est pas un distributeur? Non, c'est une machine de clonage. Non, mais à un moment, ça suffit. Bonjour, j'ai besoin de votre sang et de votre argent. Je trouve pas. Je trouve pas de machine. Ouais. On a quand même fait bien le tour du lieu. Hein, ouais, on est d'accord. Mais j'ai quand même envie de balancer une petite dose de morphine dans cet air conditionné. Bien sûr, bien sûr. Je regarde juste. Là, y a non, y'a pas d'ATM. Allez. Ça les... Non, ils sont fast, ouais. Ouais. Et à mon tour d'être fast. Wouhou! Et pour la beauté du geste. Joli. Ouais, je les empêche de fuir, moi. Ça va. Ah, et Goris, c'est grave. Tu me dois tout. Rends-moi ton sang. Ah, j'ai level up. Et je gagne plus de speed. À partir du level 2, je gagne une stat au pif à chaque level. Plus de speed. Non, mais, ce qui veut dire qu'au level 12, techniquement, je suis à 4-4-4-4. Si tu veux. Ah ouais. Donc c'est fumé. C'est pour c'est ça propre. Que le clodo, il... c'est le début est difficile, mais c'est propre. Tant pis pour la big quest. Ça s'est bien passé. Du coup, voilà. Toi, t'as le GPS. Ouais. Increase crit chance, bof. Receive money at the start of each new floor. Par rapport à ma quête. Clairement. Ouais, je trouve ça assez fumé. Ouais, j'ai pris les critiques là pour une fois. Je me suis dit, on va essayer de le spécialiser combat. C'est ça. En faisant très attention à ne pas me taper dessus si tu veux. Putain, petit olive. Alors regarde juste. Oh là, un ATM. Parfait. Je détruis pas, par pitié, laisse-moi y accéder d'abord. Alors attends. Contribute monnaie. Ouais, on vérifie que ça marche. Ouais, tu vois. Et même je vais gagner de l'avance. Je vais donner celui que voilà. Le 50 que je suis censé donner au niveau précédent. Bah donne carrément le dernier, non? Non, parce qu'au prochain niveau, je devrais quand même donner 50. Ah oui. Là, il y a un coffre avec une caméra. Oh, il a rien vu. Merde, j'ai gagné 2 mines. Une mine. Mine terrestre. Tiens, il y a un donneur de mission là, on va voir ce qu'il veut. Parle à Michel. Bonjour. Accepte. Après, il nous donne 5 chicken McNuggets qui permettent, comme n'importe quel roguelike en fait, de débloquer d'autres objets dans d'autres runs. Ah, merci de... Ouais, tu l'as énervé, tire-toi. C'est moi qui lui rendrai la quête, du coup. Alors, tac, nickel. Bon, il faut rester focus, mon cher Bob. Je vais faire le bleu clair. Neutraliser les gens, c'est mon rayon. Et le go, et le celui-là, ouais, non, mais moi, j'ai pas les équipements ni les armements, si tu veux. Il y a un docteur. Putain. Ah, c'est une banque, je peux donner de l'argent pour... Je pense que ça va très mal se passer.
suis mort. Non. Je crois que je l'ai tué. Ah, je l'ai insta-kill. Double mille. La double mine. Ça y est, j'ai un flingue. Je suis un clodo avec un flingue. Bien joué. Ça déconne zéro. Putain. Oh là là, j'ai la microchip. Ça y est. Ça y est, je suis enfin un clochard armé jusqu'aux dents. C'est terminé maintenant. C'est Bane le mec. C'est ça. Nobody cared of who I was before I put on the mask. Putain. Nobody cared who I was before I trashed the can. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que t'as chopé? Un caillou? Un clochard. Nourris-toi, hein. Ça, c'est offert. Alors ici, compliqué, là. Il y a genre un goon avec un flingue. Je peux la tenter Scarface, hein. Attends, mais si on a qu'un seul, c'est bon, ça se fait, hein. Il y en a deux. Il y en a deux. Putain, en ouais, plus, d'accord, ouais, direct. Pour le feu direct. C'est bon. Ouais. Allez, c'est parti. Petite banane. Ouais. Vous êtes tous libres, barrez-vous. Là, il y a un truc, regarde s'il n'y a pas une citerne. Oh, il y a encore un autre. Ouais, un autre, je prends cette fois. Moi, je prends la mine, mais je te laisse l'anneau. Soit on va se mettre une mine. Mais les mines, t'as raison, faut s'en servir comme des multi-grenades en fait. Ouais, c'est ça, ça fonctionne très bien. C'est risqué, mais c'est un bon setup, tu peux mettre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment? Excuse-moi. On se fait choper le clochard. Break out of prison, ouais, il faut libérer les deux gars là. Il faut libérer les singes. Ok. Oh, laisse-moi tranquille, Billy. Ah putain, l'un d'eux est un loup-garou. À l'aide. Attention, j'ai le loup. Je sais pas où je suis, putain. Laissez-moi tranquille, bordel. Tant t'as pris des risques, hein. Ah ouais, ça y est, je suis libre. Ah, mais putain, c'est poubelle. Allez, c'est bon. Moi, en attendant, je vais faire tout ce qui est mon pouvoir pour libérer les singes. Ah, il m'a eu. Ah merde, ils vont revenir chez eux, ils vont s'énerver. Non, c'est bon. C'est bon. Bon, déjà, prenons l'argent. Ensuite, ressuscitons-le. Ah, y a pas assez de place. Voilà. Voilà. Merci. Et fais gaffe parce que là, je regagne pas de la vie. Hein. C'est pas comme le militaire. Je vais être magnanime. Magnanime. Je vais te. Mais où mon argent? Il a pris en plus. Là j'ai pris les 12 balles. C'est la taxe mon gars. À cause de toi, je me suis fait tuer par le loup-garou. J'ai 2 balles. Putain mais c'est tiré sous. Ouais, et il va nous le falloir parce que ça se trouve c'est lui qui a la clé. Donc je vais le traquer. Non mais il y a un PC normalement quelque part. Voilà. Okay, le PC est là. Il avait que de la drogue, mais bon. C'est pas grave. Le PC est là. Je peux peut-être manger ce mec là. Attends. Oh, alors c'est bon. Au ralenti, mon gars. Bien joué, ils sont libres. Venez m'aider. Ouais, non, les singes vont t'aider là. Putain, la force que tu en mets. Je suis vampire, mon gars. Je suis un antidéluvien. Troisième génération. Troisième génération. Ouais, il y a eu Kane. C'est comme les smartphones. du coup, alors attends, il y a une grosse troupe, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai donné mon argent, est-ce que t'as tué le loup-garou? Ouais, donc on est bien. Et il suffit juste de sauver ce ninja qui est sur le bâtiment, qui est juste à ma droite. Donc ce bâtiment là, avec ce goon. Je peux lui donner 40$, mais viens. Ouais, j'arrive. Voilà, tu vois. Alors c'est pas un ninja, c'est un gorille, mais monte. Attends, je suis obligé de... Ce mec est bien trop éduqué. Ouais, mais il faut que tu bouffes aussi le gars de l'entrée là. Ouais, mais je peux pas. On va coller au mur. Il faudrait que tu lui parles. Vas-y, parle-lui. Vas-y. Ça c'est bon ça. Les fameuses techniques, tu sais, à Paris, quand les gens ils disent hey, regardez par là. Okay. Oh putain. Ouch. Chou. Oula, t'as tapé le. Tant pis. Il est con aussi, il se met en plein milieu. Et puis, qu'est-ce que c'est une mission échouée au final? Moi j'ai récupéré des sandwichs, des couteaux, j'ai pas réfléchi si tu veux.
Non, ça m'a l'air chaud. Ça m'a l'air surtout qu'on peut se casser là. On peut se casser. Mmh. Il y a peut-être l'amélioration de skill. Je fais un peu n'importe quoi là, il faut que je me réveille. Hey. Je me demande si ça marche. Mon clochard, ça doit être ton cousin. Ah, c'est cher. Mmh. Il avait 23 balles le clodo. Oh là là. J'avoue. Ouais, j'achète de l'alcool. C'est pas très cher, c'est un truc de soin. C'est offert. C'est offert par la maison. Putain, y'a un coffre là. Non, oh, mais y'a beaucoup de gens à l'intérieur. Ouais, on n'a pas les moyens. Bon alors. Tiens, on. Attends, merde. T'as pas tué ton loup-garou. Il est où d'ailleurs? T'as pas tué ton loup-garou. Et non, qu'on l'a il est tout en bas là, regarde, au E. Oh sortie. Le bâtard. Allez, viens m'aider là, parce qu'il est balèze. Moi, j'étais partagé entre le exit. Mais attends, laisse-moi m'approcher du loup-garou d'abord pour lui faire une attaque surprise. Vu que toi, il te connaît. Il va fuir donc. Ouais, va descendre encore au bâtiment en dessous. Là, et voilà, pas plus loin. Ah, tu le vois là. Fais gaffe, il cogne fort. Allez, je mets 10 balles sur mon clochard. Et voilà. Nickel. Facile. Et moi, je frappe son cadavre. Et cassons-nous. Voilà. Ah, je sais pas où je vais. Ah, c'est parfait. Oh non, ils sont Je m'en suis battu les couilles. Échapper à la police. J'avoue. Alors. Ah. Oh. Les dents de lapin. Direct. Alors, les armes de mêlée ont plus de temps avant de se briser. Vos balles détruisent d'autres balles. Et les armes déposées ont plus de munitions. Donc j'hésite. Parce que je pourrais améliorer mon speed. Ça marche. Mmh, c'est teamwork. Non, voilà. J'espère que les gens... Excuse-moi. Non, mais j'espère que les gens sont posés. Hein. Speed plus, c'est pas mal. Mmh. Mais... Amos Scavenger, voilà quoi. Ouais, et c'est quoi Trust Funder? Je reçois de l'argent au début de chaque niveau. Bah... Ce qui est bien pour ma quête, mais du pognon on en aura. Si tu ouais, veux. Ouais, les munitions ça coûte munitions, cher en pognon. Les munitions c'est cher et puis t'en trouves pas donc. Ah attends, c'est t'en trouves pas aussi facilement, ouais, c'est sûr. Et surtout si je veux jouer Clodo, je vais pas jouer CAC quoi. Certes. Le robot tueur. Pas de panique. On a. Donc en fait, le top du top ce serait de l'amener en bas. Et de remonter et faire la mission. Non, il faut qu'on se serve de lui pour détruire les murs. Ça nous permet de rusher les. À voir les si c'est des murs blindés ou non, quoi. Non, ça, il est détruit quand même, s'en bat les couilles. Bon. Ici, on peut vendre des choses. Je suis pas sûr d'avoir grand chose à vendre. Ah non, j'ai que dalle, hein. C'est un peu la game de la pauvreté en soi. En soi, oui. Bah attends, est-ce qu'il y a un. Est-ce qu'il y a un... Je cherche un, excuse-moi. Goodie dispenser, augmentation dessus. Je cherche à faire mes paiements, moi. Il est où? Il est en bas du building. Alors. Ok, j'ai fait mon paiement. J'ai fait mon paiement à la société. Nickel. Avec un grand S. Ah, attends, on est où par rapport à lui? Ok, ça marche. On va risque de recevoir un roquette du sud. Et ça va aller. Donc là, c'est blindé long, il peut pas péter ça. Mmh. Normalement. Attention, il arrive. Ouais, il est en bas du bâtiment là, il arrive sur la droite. Il y a le loup-garou dans le coin, normalement. Non. Et il est là, regarde. Attention, on va le bait. Je le bait. Merde, ouais, je l'ai mal bait. Bien bait. Je l'ai très mal bait, c'est pas grave. Mais non, pourquoi tu me tapes? Ah merde, c'est pas toi que je vais taper. Il a touché un gars sur la route. Bon, c'est pas grave, j'ai pris le dégât. Oui, exactement. J'ai un peu de flics derrière moi.
Oh, j'ai aucun moyen d'ouvrir cette porte, j'ai aucun moyen d'ouvrir cette porte. Merci mec. Ok, on prend grave cher. Ok, je vais m'occuper des élévateurs parce que là sinon il faut qu'on puisse le tirer un peu. Super, il a laissé la possibilité qu'on récupère le coffre là. Bien joué. Donc là maintenant c'est juste une question de le bait correctement. Merde. Putain. Ok, j'ai le papier. Nickel. Moi je suis en train de gérer les rewards. Par contre, cet écran qui casse les couilles. Ouais, attends. Je vais mettre le... Ouais, c'est ouf en fait, parce que ça part d'une bonne idée, mais c'est tellement casse-couille. J'avoue, hein, ouais, c'est vrai que c'est joli, mais en fait, voilà, quand t'es pas habitué, quand t'es habitué au jeu, après, c'est un problème, donc on va se séparer en deux, et puis voilà. Ok. Bien joué. Ok, maintenant, il faut que je me tire, parce que j'ai 19 points de vie, donc le dodge. Ah, il y aura zéro dodge, putain. J'ai le loup-garou qui est dans le coin. Non, mais c'est pas vrai, quoi. J'arrive à fuir. J'ai plus de vie, j'ai 3 points de vie, je suis mort. Il est invisible. Oh merde. Attends. Surtout appuie pas sur Y. Je suis là. Il est là. Je peux pas aller à la sortie. En vrai. Ah mais moi non plus, parce que je me fais poursuivre par un mec invisible. Vas-y. On y croit. Allez, c'est à toi. À tout prix que je bouffe quelqu'un. Ah, il m'a eu. Je suis deg. Tout prix que je bouffe quelqu'un. Pourquoi les clochards, ils savent que c'est leur moment. Fui. Alors. Putain, mais ce clochard de t'as pas d'arme à distance. Non, j'ai que bien mon fils. Attention, hein, tu pourrais te faire avoir par le robot. Putain, mais lâche-moi, quoi. La revanche des clochards. Ah ouais, j'avoue. Dommage. Mais t'as vu, il m'a traqué sur tout le niveau, le mec. J'avoue. Ah, mais on s'est fait avoir. Hein. On a fait l'erreur de se séparer. Ce qui, franchement, est une erreur. Hein. Je propose une dernière run. On peut la tenter, hein, honnêtement. Est-ce qu'on splitterait pas sur un peu d'un Hand of Fate Tout de suite. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ouais, pour changer un peu, tu vois, histoire de pas saturer. Par contre, effectivement, ça c'est un chat qui a cagué. Ce chat qui cague 3 fois par jour. Oh. Alors. Ou alors c'est moi qui ai rêvé, mais. Merde. La souris. Où est la souris? Ah oui, y'a pas de chute, y'a plus de souris. Y'a plus de souris, ouais. La case de table. Bon, j'ai rêvé. Wow, mal au dos. Alors, tout va bien. Alors. Where is Tim, my friend? Mais j'avoue que Clodoman t'a traqué, mais jusqu'en enfer. Mais quoi. C'est ça que je comprends pas. Ça doit être le roi des Clodo. En Off Fate 2. Alors attends, par contre, il est pas réglé pour le. Ouais, vas-y. Ouais. Joue-le. Attends, je vais déjà le lancer. Et puis... Non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Arrête de t'énerver. Je m'énerve. Ah oui, il faut mettre la souris, du coup. Ah oui, on va en avoir besoin. Ah, sinon, ça va être trop cher. Alors. Putain, je sais pas ce que j'ai ces temps-ci, j'arrête pas de me mordre la joue. C'est un enfer. Qu'est-ce que tu cherches? Je t'ai blindé, je t'ai tombé la bouteille d'ici.